submergé de boulot, comme toujours. L'horreur. Café un de ces quatre? Sans problème. Je t'enverrai un SMS. Bonjour MC. Que voulez-vous? Vous voulez contrôler mes données à distance? Impossible. C'est moi qui vous contrôle. It's me, Mario. Hop. Le cadrage toujours parfait, comme d'habitude. Ça va, MC? Je fais ma com et je suis là. Bon, ça va nickel, hein, regarde. On va partir sur un jeu totalement nouveau et en exclu, on va dire. Juste après la pause, ouais, nous le cadrage est tellement en direct magnifique, un ancien artiste de pleurer. Rue. Sweet Tea, tel qu'on l'appelle dans sa communauté, nous présentera un nouveau recueil bon, de ses œuvres ainsi qu'une nouvelle ligne de mode, comprenant t-shirts, casquettes et bijoux. Ça promet d'être intéressant. Ben voilà. Au moins, on voit le t-shirt un petit peu. Ça va sinon? Ah, ok. Tu m'étonnes. Hein? Ouais. Ouais, ça marche. On va attendre deux petites minutes le temps que des personnes arrivent. Si t'as des questions, vas-y, balance. Tous les hosts en cours, my god. C'est ça, je sais. Ouais, je sais. C'est ça, ouais. Ok. Ça va, Théo? Rov. Ça va et toi? Comment tu as fait pour avoir le jeu avant? Déjà, bonjour, Avé. Pour commencer, de 2 je suis star player Ubisoft, de 3 je suis star player Ubisoft sur ce jeu. J'ai déjà joué ce jeu il y a 2 mois. J'ai reçu mon code hier, je pouvais jouer depuis hier. J'ai l'autorisation entière de stream le jeu, du moins les séquences que j'ai le droit de vous montrer. Ce qu'on va faire d'ici quelques minutes, je vais vous montrer le gameplay, les voitures. La carte, les boutiques, des lieux cultes du jeu, en essayant de spoil le moins. Puis cet après-midi, on ira faire toutes les missions coop, du moins celles que j'ai le droit de vous montrer, des missions coop, des missions multijoueurs, et d'autres missions que je peux vous montrer. Donc ce jeu sortira mardi. Mardi 15. Salut Max. Salut Supra. Et bienvenue à toi. On va commencer dans 2 minutes. Fini mon snap et on est parti. C'est du slide. Ah, Théo, il y a une minute. On n'a pas le temps de lire. Ça va bien en tout cas ce qui arrive. On va commencer, vous inquiétez pas. Pose mon téléphone 2 secondes.
Ouais, déjà là. Chanceux, ouais. Ouais, alors c'est quoi le code à 3 chiffres derrière ta CB et le code à 12 chiffres devant? Je crois que c'est 2070 milliards d'années. Et démerde-toi, je le sais plus. Je sais même pas moi. Bon, allez, c'est parti. Je vais depuis hier, Shin. Shin Ruko. Où j'ai dû. Regardez ce que je peux vous montrer. Donc, la carte. San Francisco. Silicon. Auckland. Les marins. Avec quelques petits lieux intéressants. Alcatraz. Merci Gok pour le follow. Et bienvenue au Onizuka. Donc là, on va aller visiter un petit peu les lieux de la map. Il y a des beaux spots ici. Il y a, il me semble, un truc intéressant d'Ubisoft par là, quelque part dans la map. On va visiter, on va faire le tour, on va prendre des véhicules. Après, je pense, on va modifier quand même le visu de ce personnage parce que niveau habit, il est dégueulasse. Merci Papy Dante pour le follow. Tu peux faire des figures de parcours? On essaiera, Chine. On essaiera. Salut papy. Merci Onizuka pour le follow. Donc on va commencer par le plus simple. L'habillage. Donc si vous avez des questions tout le long, vous me posez. J'essaierai de répondre le maximum que je puisse. Salut Boulevard. Donc là, normalement, pour l'instant, on n'a pas grand-chose. On peut toujours hacker des personnes. Toujours vérifier un petit peu leur téléphone. Voler de l'argent. Toujours ces trucs. Alors, pour le moment, graphiquement, il est bien. La vie est vivante. Le graphiquement, il est bien. Moi, de ce que j'ai testé, il n'y a pas eu de downgrade. Et la ville, ils ont fait en sorte qu'elle soit vivante, qu'il y ait de la vie, qu'elle bouge. Le jeu, on le lâche avant, déjà rare pour un jeu Ubisoft. Non, moi, ils me l'ont pas lâché avant, c'est juste que j'ai le droit de l'avoir avant. Il devrait pas sortir le 20 novembre? Non. Il y a un qui sort le 15. Et un autre qui sortira le 28. Comme ça, c'est sur PC, qui a été décalé. Est-ce que comme le premier, où on peut tirer comme on veut? Alors attends, on peut tirer comme on veut, c'est-à-dire. Normalement, je live toute la journée sur le jeu. Bonjour, je m'appelle Hubert Vanderdoud, je sais gagner de l'argent sans plus. Oh my god! Salut Injustice Girl, comment tu vas? Salut Nicolas. Donc, choisissez-moi la tenue. Hein. Parce que moi, niveau tenue, voilà. Alors déjà, Adri, bonjour. Tu es sur PS4, PS4 Pro ou PC? PS4. PC, il n'est pas encore sorti. Et je n'ai pas acheté de PS4 Pro. Moi, ça va, hein. Je file sur le table, pas de soucis. Bref, autre chose, pourra-t-il surpasser GTA 5? Why not? Là, ça, on le saura au fur et à mesure, hein, des missions qu'il y a à faire. De regarder de la coop, de regarder ce qu'il y a à faire cet après-midi. Et ça, on le saura cet après-midi. Chemise blanche.
Ça va, Mathieu, c'est toi. Il y a du spoil ou pas? Non, il n'y aura pas de spoil. Nous allons visiter la map, regarder les boutiques, montrer quelques lieux sympas de la map pour ce matin. Cet après-midi, on fera des missions coop et du multijoueur. Pour avoir déjà testé des missions de papy, elles sont intéressantes. Habillons le petit commando. Ouais. C'est tellement magnifique. Chaque boutique, par contre, a ses habits différents. Tu peux faire du piratage en ligne? Oui. Il y a du piratage, tu peux te faire pirater par d'autres joueurs qui sont dans la session. Ça fait 1 an 290 jours, je suis un petit abonné. C'est bien ça, c'est bon. La finale Pro League R6 commence à quelle heure si tu sais? Alors je sais que c'est aujourd'hui, mais je ne sais pas quelle heure c'est. Je pense que c'est un début d'après-midi, un truc comme ça. Début ou fin d'après-midi, c'est toujours dans les soirées. Merci Miss Kevinette pour le follow. Alors on me dit go Pas de Alcatraz. problème. Eh ben on va partir à Alcatraz, c'était prévu. Alors, tu l'as. On va aller ici. Y a toujours tout qu'on peut pirater, même les véhicules maintenant. Bon. Là, j'ai pas la compétence, mais on peut pirater les véhicules, on peut pirater les bouches d'égout, les feux, et bien plus encore des choses à faire. Merci, ma trois fois. Ici, mon papa. Loul. Bon, par contre, il me faudrait un véhicule peut-être un petit peu plus rapide. Il me semble. On va faire un détour ici. Est-ce que les véhicules électriques, c'est bien beau, mais bon. Ah, je sais, la musique du jeu est trop forte. Ils font toujours ça. C'est où déjà? Option du jeu. Tac. C'est le coach. Alors, ne me quittez pas, je vais modifier ça. Audio, hein, volume principal. On va vous mettre à 50. Vous allez me dire si c'est bon. Pas de soucis, je vous ai modifié ça. Il est déjà sorti? Non, il n'est pas sorti, il sort pour vous mardi. Bah on va y aller, t'inquiète, après ça. Merci Kouj pour le follow. D'abord on va prendre une voiture digne de ce nom si je crois que j'ai du fric. Bonjour hein. Je peux vous aider? Ouais. Ah ouais, ouais. Ah ouais. J'ai pas beaucoup. On peut voir vite fait les Vous cherchez véhicules qu'on quelque peut. chose en particulier? Vous n'avez qu'à demander. Je suis là. T'as le droit de stream en avance? Oui, Nicolas. Revenez quand J'ai une vous question, aurez tu l'as plus où? que dépenser. Ubisoft. En mode prisonnier, oh là là.
C'est bon le son maintenant. Tout à l'heure, ça cachait ta voix. Oui, je sais, c'est souvent les soucis sur les jeux où le son du jeu est trop fort. Hey, I'm speaking English. Hi, guys. Hop, 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 hop. Police nationale. Ce véhicule m'appartient. Je me ferai pas ban, Nicolas. J'ai reçu le jeu par Ubisoft. Ainsi de ce que j'ai le droit de vous montrer et pas le montrer. Je ne suis pas comme les autres streamers. Je suis star player Ubisoft, Nicolas. Je sais pas si tu es au courant. Et j'ai des autorisations. Moi. Salut, tu en es où le jeu? Je ne montre aucune partie du solo. Ou je ne montrerai quelques parties du solo que j'ai le droit de vous montrer. 2-3 missions, il me semble. Plus des missions coop. Et le multijoueur cet après-midi. Normalement, il doit y avoir des bateaux. On peut en coop, session privée. Normalement, tu peux en coop en choisissant tes amis. Ça me paraît logique. Alors, tu as passé combien de temps sur ce jeu? Donc, moi, j'ai déjà 2 heures d'avance. Parce que j'ai déjà fait le jeu. J'ai joué il y a 2 mois et j'ai joué lundi. J'ai joué un peu hier. Hey, Lucia! La carte est plus ou moins grande sur GTA, donc je te laisse la voir. Je la montre vite fait. Je te montre toute la partie qu'on peut faire. Merci RG et Territox pour les follow. Donc là on a San Francisco, la Silicon Valley. Il y a des requins ou autre. Alors, j'ai pas cherché encore Boule Vanille, mais on verra. Ça sera un truc à regarder. On va sur Alcatraz. On va y aller à Alcatraz. Et bonjour à toi. On a Auckland aussi. Salut Galou. Et Marin. Et Alcatraz, bien sûr. Des faunes animalières. Oui, normalement, oui. Je vois pas le live, c'est normal. Dites à Nesta de actualiser et de passer en source. Si vous pouvez, si vous plaît. Darknet. Good. C'est bien le Darknet. Salut RG. Salut Alox. Oh, elle est sympa la carte d'Alex. Il y a quand même pas mal de choses à faire. On regardera, il y a pas mal d'activités de course. Course de drone, course de moto, de bateau. Il y a des trucs cachés aussi, il y a même les... Un petit peu comme le 1. Shut up. What the fuck. Piratage en ligne cet après-midi? Yes. Cet après-midi. Du moins, on va aller en multijoueur en début d'après-midi. On va regarder un petit peu ce que ça vaut. Et vers 4h, vers le coup de 4h, j'ai un autre pote star player qui va arriver, qui va stream en même temps que moi, avec moi, et on va faire des missions en coop, exploration de la map en coop, on va vous montrer des choses que nous on sait, parce que on a déjà joué au jeu, on a discuté avec les devs, on a pas de soucis. On peut nager? Oui, Alox. Ah bah oui, Nesta, tu dois être le seul. Tu connais la durée des missions principales? Non. J'attends pour l'avoir, mais dans pas longtemps. I need help. What do you want? C'est des Kelly Clop. Donc nous voilà sur l'île où il y a la prison. Tu du coup. Ah. Il bug trop le mec. C'est horrible le nombre de panneaux publicitaires qu'il y a en ville, tu trouves pas? Avant, t'en voyais que sur l'autoroute.
route. C'était comme la télé, un truc qui chopait ton attention pendant un trajet chiant. I don't understand, guys. Il est cool de... Ouais, il est bien sympa. Merci de belle. Dieu. Name Max pour le follow. C'est moi. Salut maman, girl. Je vois la semaine prochaine quand tu vas sortir. Bah ouais, mardi. Merci beaucoup. Ah ouais. Ah, attendez 3 secondes. Je vois si j'ai le droit de vous montrer ça. Salut Asie. Je t'aime gros. Si tu le dis. Alors attendez, faut juste que je sorte un document. Tac, tac. Télécharger, lecture. Alors attends, le truc avec la tête de mort, est-ce que j'ai le droit de vous le montrer? Sur ça. C'est du pélo. Merci Ziz pour le choix. C'est le dip. Vous allez bien les gars? Donc là on est sur la prison d'Alcatraz. Hein. Merci pélo. Et la cellule de Capone? Alors Titib, la cellule de Capone. La cellule de Capone. C'est laquelle déjà? On la cherche, hein. Moi aussi. Alcatraz, je vous aime les gars. Merci James, salut Sacha. Bon, les nouveautés, les boîtiers, on peut pirater des boîtiers. Faire exploser. Et aussi on peut faire un champ d'action et attirer les ennemis dessus. Un peu comme le premier où il y avait des téléphones que tu lançais, que tu faisais sonner, qu'ils approchaient, que tu les faisais péter. Il y a la cellule des trois évadés. Alors là, je sais pas. Donc maintenant, qu'on vous a montré la prison, qu'est-ce qu'on va vous montrer? On va aller... On va aller, on va aller, on va aller voir un petit peu là-haut ce qu'il y a, non? Attends, elles ont l'air trop bonnes, ces tartes noix de pécan sirop d'érable. Je devrais en prendre une. Quoique, non, on va aller ici. Il me semble, c'est où le spot déjà. Peut-être par là, je sais plus. Hier, j'ai vu qu'il y avait de la voiture de 4000 en jeu. Ouais. Il est passé devant. Ah bon? Maybe, je ne connais pas les cellules. Mais il doit y avoir pas mal d'easter eggs à chercher. Non, c'est pas le lieu ni le moment. Comment tu as eu le jeu par Ubisoft? Mais les graphismes sur PS4, oh, c'est sympa les graphismes. Pas, normalement vous les voyez pratiquement comme moi, je vous ai mis en qualité sur la Play quand tu streams à 60 fps la plus haute des qualités. Donc après, ça dépend de votre connexion. Ah ouais. Alors au niveau de la ville, t'as plusieurs villes. Dans cette petite ville là. L'autre ville, Lockland.
T'as la Silicon Valley en bas, San Francisco, avec des petites îles. Merci le Marocain pour le follow. La map, on dirait un peu celle de GTA V, la partie du bas. Pas de ton avis, hein. J'espère que le piratage en ligne soit aussi bien que le premier. Normalement, si on vous avait donné pas mal de bons retours pour le premier que vous avez aimé, ils ont dû garder des choses. J'ai pas encore regardé, j'avais pas eu accès au piratage en ligne, mais on ira cet après-midi, y a pas de souci pour ça. Là, on va explorer la map aujourd'hui, du moins ce matin. Parfait, petit noodle. Ah ouais. Je crois que c'est par là. Il y a South Park là. Après, dites-moi vous dans le stream est-ce que vous voulez voir. Hein. Moi, je vous montre ce que je sais. Du moins, ce que je peux vous montrer. Si vous avez des questions dessus, n'hésitez pas. Hein. Moi j'aime pas trop le perso, on peut se créer un perso. Non, il me semble que tu vas être obligé de garder ce personnage. Mais tu peux modifier ses habits. Je pense pas que tu puisses modifier le perso, parce que c'est quand même le perso principal. Après peut-être dans l'histoire, il y a des choses qui se passent, je ne sais pas. Y a pas les locaux d'Ubisoft? Oui, Matt. Mais je sais plus où ils sont. Je sais qu'il y a un truc, un endroit, il y a des locaux d'Ubisoft, mais après. Du moins, il y a la devanture et il y a un petit easter egg, il me semble. Du moins, une publicité dans leur jeu. Il y a des avions dans celui-là? Je n'ai pas la réponse. Cet après-midi, à quelle heure? Je pense qu'on va y aller vers les coups de 1 heure, un truc comme ça, vers les coups d'une heure, on va aller complètement en multijoueur. Pas vers le crabe connu là. Le crabe connu? Ah ouais, il y avait un endroit où il y avait un crabe, machin chose, un truc bizarre où il était allé. Red Fox, mais je sais pas où c'est. On va d'abord aller sur le spot, on va vous montrer la map d'en haut. En bas de la carte, parc aquatique. Où ça? Là? Là? Dis-moi le nom. Prends le drone. Déjà bonjour. C'est le vrai jeu ou la démo? Le vrai jeu et bonjour. Gros, t'as une application de tourisme sur ton téléphone? Ah, je savais pas ça. App Shop, Medal. Il est mieux que le premier au niveau conduite. La niveau conduite a totalement été modifiée. C'est plus la même conduite. Prends une Bugatti. Ça coûte cher. Hein. Alors, attends, c'est scooter. Ah, ok. Place of photographe. En fait, scooter, je crois qu'il faut aller dans des lieux spécifiques de la map pour prendre des photos. Je crois que c'est plutôt ça. Ouais, c'est ça, Scoutique, c'est pour l'application. Comment tu fais pour jouer au vrai jeu alors qu'il ne sort pas, qu'il sort que mardi? Ubisoft me l'a envoyé, je suis star player Ubisoft sur ce jeu.
Il sort le 15, oui. Merci Flo pour le jeu. Pour le follow. Achète le drone et va sur le... J'ai acheté que le premier drone, le deuxième drone, je crois qu'il coûte cher, mais on va aller voir ça après. On va faire ce petit truc là où il faut aller à une zone, prendre une photo. Peut-être Matt. Alors une victoire girl. Salut gamer. La conduite elle est totalement améliorée, c'est pas la même. Ah ouais gamer. Ça va être lent. Donc on va aller dans notre repère et on va regarder le deuxième drone acheté. Je sais pas si j'ai assez. Jouer un petit peu pour pas vous montrer les séquences que vous ne devez pas vous montrer, mais on va regarder dans le repère ce qu'on peut faire, si la possibilité vous montrer les armes qu'on peut acheter et le deuxième, les deux drones qu'on peut prendre. J'en ai déjà un sur deux. Salut Orzy, comment tu vas? Ouais, un jeu où tu peux faire des selfies, du moins t'as des endroits, ils vont te demander d'aller à un endroit culte du jeu, prendre une photo pour gagner des followers. Il coûte 45 minutes. On va voir ça, Sacha. 45 minutes, j'ai pas. Mais je crois que j'ai pas su le truc. Comment faire pour avoir des followers. Ça va, tiens, la connexion de YouTube. Toi qui te pousse. J'y crois pas. Petit con, va. Attention! Et regardez un zombie! Faut lui mettre une balle dans la tête! La police, quelle est votre urgence, s'il vous plaît? Renvoyez les flics! Vous vous battez en couille! Salut, Crazy. Oh, t'es super moche! QS a confirmé votre position. La police est en route. Lol. Ils peuvent plus rien faire là où je suis. Bon. La modification... C'est ici. Oh ouais, avoir une journée après, on est passé vite fait. Hein. Ah, écoute, 67 000 de quadri. À niveau arme, on a ça. Faut choisir avec les silencieux, viseur. On peut mettre des skins dessus. Ça, je crois que c'est une mission, mais je vais pas la faire. Quand Ted Sheck a trouvé Josh, par autre sens, il publiait des vidéos anti-CTOS sur Invite. Il avait un masque de Halloween en plastique, un crâne, mais genre le
pas trop forme. Non, je pense pas, je pense qu'en faisant juste les missions principales, ça devrait pouvoir le faire. Mais c'est Yad, c'est pas le choix. Sur PS4, je suis. Sur PC, il n'est pas disponible encore le jeu. Le jeu sera disponible, je crois, le 28. Il a été décalé pour améliorer. Si c'est beaucoup plus complexe que sur console. Salut, comment t'as eu le jeu? Salut Idris, j'ai eu le jeu par Ubisoft même. Étant donné que je suis star player dessus, toi tu me bloques la route. Allez, dégage. Allez, dégage. Étant donné que je suis star player dessus, je l'ai reçu hier et j'ai l'autorisation de vous le stream, du moins des séquences. Quelques séquences. Donc, je fais le maximum pour ne pas vous spoil le jeu. Donc on va chercher un spot, je sais plus s'il est là. On va aller voir. Allez, bien le Watch Dogs, t'as test en multi. J'ai pas encore test en multi, on testera ça en live cet après-midi. J'activerai la fonction de multijoueur. Et on ira en multi, voir un petit peu ce qu'on peut faire comme hack. Ce qu'on peut faire pour embêter les autres joueurs. Et on ira aussi en coop, faire deux missions coop qu'on a le droit de vous montrer. Ça devrait aller à gauche. Merci Rusk pour le fun. N'hésitez pas à poser des questions, si je peux y répondre, j'essaierai. J'ai déjà joué un peu plus de 3 heures dessus déjà. Donc si j'ai moyen de répondre, j'y répondrai. Et si j'ai pas l'autorisation de vous répondre, j'y répondrai pas. Faut-il le 1 pour jouer au 2? Non. Le 1 et le 2 sont deux histoires totalement à part. Tu n'as pas besoin d'avoir joué au 1 pour comprendre le 2. C'est une histoire totalement différente. Tu auras juste quelques personnages en plus. En plus, tu as des personnages du 1 qui vont... Du moins, il y en a un qui apparaît. Et ça... C'est pas un souci si tu n'as pas fait le... Ça c'est une multi. Ça c'est des courses. Je sais plus où est ce putain de spot. Oh, je t'ai pas allé jusque là moi. Moi j'étais allé là. Quelque part par là. On va aller au Golden Gate. Wesh, comment ça fait longtemps? Bah ouais, Cortex. Sur Marseille, et là aussi le jeu. Tu es où? Oui, je suis sur Marseille. J'ai réussi à avoir le jeu par Ubisoft même. Donc vous l'aurez pas. Vous l'aurez mardi normalement. Après, si il y en a qui ont réussi à avoir le jeu, Micromania, merci. Et qu'en penses-tu du jeu pour l'instant? Moi, Kamak, j'ai déjà joué 2 heures. Les missions que j'ai testées sont très intéressantes. Après, à voir avec toutes les autres missions, il y a pas mal de choses à faire. Il y a des courses à faire. On va commencer à faire quelques courses. Et vous allez vous fixer vous-même. On va aller faire une course. Ça va être plus intéressant que de montrer la map. Comme ça, on la va vite. Peut-être qu'on passera sur des lieux cultes ou pas. On verra bien. Alors, par contre, les flics, ils sont beaucoup plus réactifs qu'avant. Quand ils tombent, ils te collent.
celle du Rat Mort. Tu viens à Hero Festival? Non, je ne veux pas. Je suis sur PS4. Alors, s'il y aura des mods sur PC, j'ai pas la réponse. Déjà sur PC, il a été décalé pour l'améliorer. Mais j'ai pas la réponse s'il y aura des mods ou pas. On peut se cacher dans le véhicule. T'ennuies pas trop? Non, t'inquiète. Là, moi, je vous présente le jeu. Je ne peux pas vous faire l'émission principale plus tard. Pas de soucis pour ça. Prendre des clients. Ah, ok, quand même. Ça va être beaucoup plus intéressant quand je vais faire du multijoueur cette fin de vie. T'as le droit d'aller à Alcatraz? J'y suis déjà allé tout à l'heure, évidemment. La ville a l'air vraiment en fait. Oui, elle est très sympa, elle est très, très jolie. Et j'essaie de vous trouver le spot pour vous montrer la ville d'en haut, mais je ne sais pas trop. Je ne me souviens plus où il est. Je m'en souviens. Enfin, il faudrait ça. Alors normalement, j'ai pas encore débloqué. Il y a des capacités à débloquer pour les véhicules. Ça sera plus tard. Alors, est-ce que le jeu est beau? Bah oui. Est-ce qu'il est beau là, le stream? Est-ce que la qualité est bien? Normalement, je stream dans la qualité la plus haute possible. 60 fps, là, c'est le maximum que je puisse. Bonjour, c'est qui? Ces DLC sont prévus. Alors, je sais qu'il y a des DLC payants. Après, est-ce qu'il y a des DLC gratuits à la GTA? Je sais pas, sincèrement je sais pas. Je fais des cascades, des défis, ce genre de choses. Ça te dirait de m'aider pour mon prochain show? Ouais, ça a l'air marrant. Bon, je te préviens, je vais tout enregistrer, alors fais pas ton timide. Non, mais c'est bon, je suis pas timide. Salut les excités! Ici la Daredevil, paré pour l'envol. Tu t'appelles comment toi? Will Smith. Eh bah fais-nous voler, Will. Je suis prête pour le premier saut, à toi de jouer. La vache, t'es doué! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Ah ouais, je suis doué. Sérieux? Ouais! Ben Rémi, ah ouais, le voilà, de l'œil français. Et franchement, c'est pas facile de faire semblant quand t'es pas d'un. Je sais pas, j'ai une connexion de merde. Ah! Ben regarde si tu peux pas mettre en source ou modifier les qualités, mais oui, le jeu est bon. Ah ben on va faire ça juste après, mec. Dès qu'on finit cette virer, on va aller reprendre l'application Scootix et on va chercher des lieux cultes. Super saut. Alors, si je peux pas vous répondre là pour l'instant pour les questions, ne vous inquiétez pas, je vais relire tout ce que vous m'avez écrit juste après. Moi, dans les montagnes russes, mon truc, c'est quand ça monte. La tente, tout ça, clic, clic, clic. Clic, 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 clic. Ah, et là, c'est parti. Et là, l'estomac explose. Je sais pas. La vache, t'es doué. Et sinon, t'as combien d'abonnés sur ta chaîne? Presque 1 million, là. Mais ça monte. Cette vidéo va faire un max de... Je sais pas. Je suis pas vraiment sûr, en fait. T'as raison. Quasiment 1 million, c'est déjà pas mal. C'est clair. Quand j'ai commencé, j'en avais genre 10. Je vais vous répondre juste après, vous n'hésitez pas. Ok, il y en a qui posent des questions. Mes parents, mes potes. Fini la petite virée. Il ne devrait pas être long. Ok, oui. On va prendre un peu d'altitude, beaucoup de vitesse, et on décolle. On va voir combien de temps on reste en l'air. Cool. Allez, c'est parti.
Comme je encore, j'ai pas le nom. Je pense que le facteur fun est super important. Les abonnés s'attendent à avoir un boost d'adrénaline en regardant les vidéos. Bon, faut pas les décevoir alors. On va leur donner ce qu'ils veulent. La vache, t'es doué. Merci, Liv. Tu me rappelles. Voilà. Ah, merci, merci Xavier et l'âme pour les follow. Donc, il y a eu quoi comme question sur Scoot King? On va voir Adri. C'est pas du GTA? Ouais, je suis en moyen, mais bon. C'est comme ça. Bah, pas de soucis. Hein. Si t'as d'autres questions, bah, n'hésite pas, mec. Donc, voilà, on va reprendre notre petite application ScootX. S'il y en a qui ont des envies de lieu, dites-le. Hein. Merci Musica pour le fou. Ok, qu'est-ce qu'on a? Perroquet, l'homme... Ah, l'homme crabe, on en a parlé tout à l'heure. On va aller voir ça. Si ça vous dérange pas, en plus on est juste à côté. Oui, quoi? Ah, mais c'est pas le bon homme, crabe, ça, lui. Ah, vas-y, t'es l'imposteur, là. Merci Arthur pour le follow. Tu pourras l'offrir? Non, je ne pourrais pas l'offrir. Alcatraz, tu veux Onizuka? On ira à Alcatraz encore une fois. Pas de soucis, mec. Normalement. Tiens donc. C'est malade ce truc! C'est génial! Non mais regarde-toi, sérieux! Trop cool, mec! Salut, Maga! Ça va et toi? Alors, comment? C'est good, ça, Théo! Ouais, perso, je l'ai eu gratos avec l'achat de ma... 70. Ah bah ouais. Ouais, c'est un bel achat. Hein. Alors. Où est-ce qu'il y a ce spot? Perroquet. Bushman, statue vivante. Point tower. Le crabe. Otari. 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 Arche. Joueur élu. Des communautés. Californie. Lapin. Ouais. Et c'est le pont. Le guide Alcatraz. Pourquoi pas? Il y en a qui voulaient que j'aille à Alcatraz. Pourquoi pas? Hop. Tu as le droit de montrer mon préféré? Oui, j'ai vaguement le droit de montrer ton préféré. Je crois que c'est pas un bateau qu'on puisse prendre. Non. Merde. Prendre un bateau de pêche. Pareil. Alors, Ghost Recon. Ghost Recon, Ghost Recon. Alors tu as deux possibilités, Ghost Recon, soit tu joues en solo et tu auras trois ordinateurs avec toi pour former les squads, soit tu y joues en coop avec d'autres personnes, aléatoire ou tes collègues. C'est toi qui choisis. Le jeu n'est pas encore en vente. Parce que je vois la conduite est toujours aussi dégueu. Elle est beaucoup améliorée, ça se voit pas mais elle est beaucoup améliorée. On a beaucoup moins l'impression de conduire un gros pavé dégueulasse.
Les devs ont stipulé comme quoi tu ne seras pas obligé de jouer avec 3 autres joueurs à la place. Ouais, voilà, merci absolument. C'est exactement ça. Tu peux jouer avec 3 bots avec toi ou jouer avec tes collègues. D'ailleurs, j'ai joué il n'y a pas longtemps au jeu. Donc là, on retourne à Alcatraz puisqu'on m'avait demandé. Je vais vous remontrer Alcatraz et après on essaiera de trouver ce spot. Il y a un putain de spot quelque part. Après on peut nager, oui. Par contre, est-ce qu'il y a des requins? Je sais toujours pas. Sûrement les lâcher aujourd'hui, Micromania. Si, ils ont pas trop l'autorisation de lâcher les jeux. Après, ils les lâchent, tant mieux. Ils les lâchent pas, tant mieux aussi. La musique, c'est le jeu. Salut, Jean. Comment ça va, mec? C'est moi que je t'ai pas vu, toi. Qu'est-ce qu'il a, lui? Bonjour. Vous pourriez m'en dire un peu plus sur cette île? Avec plaisir, jeune homme. Que voulez-vous savoir? Est-ce que le CityOS vient jusque-là? Depuis peu, oui. Vous savez, je pourrais plutôt vous parler du lieu, de son histoire, de l'empreinte culturelle qu'il a sur le pays depuis des siècles. Non, j'ai déjà une Ouais, le premier lieu était sympa, mais celui-là, il est encore mieux. Ça ne remplace jamais le contact humain, vous savez. Ouais, je suis bien d'accord. Hey! Quand on retourne à Alcatraz, on va prendre cette patate photo. Peggy 18. Merci mes champignons pour le feu. On n'a rien vu. Après, je te laisse regarder Dark. Tu te feras ton idée toi-même. Est-ce que la sortie était prévue le 15? Oui, la sortie était prévue le 15. Sur PS4 et Xbox One, Myla. Le problème, Damien, c'est qu'ils sont pas relous pour lâcher les jeux, mais ils sont relous par contre pour stream les jeux à l'avance. Moi, j'ai l'autorisation, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui n'ont pas l'autorisation et on est. Moi j'ai reçu, vous avez le droit de faire ça, 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 ça. Et par contre, si je fais un truc, j'ai pas le droit. Oui, là je me ferai crash. Il est où le spot que je voulais? C'est peut-être là. 3 km. Ça va! Ouais, il va sortir sur PC, mais il sortira en retard sur PC pour qu'il améliore. Je pense que c'est le 28 ou le 29, un truc comme ça. Salut Kaiser. Bah, je te laisse regarder s'il est bien. Parce qu'après, moi, je peux te dire, ouais, il est super, mais tu ne peux pas aimer. Donc, je te laisse regarder les graphismes. Regarder le gameplay au niveau de ce que je vais montrer. Bon, pour l'instant, ça ne va pas être de mission. Les missions, ce sera cet après-midi avec quelques missions principales. Donc, il y aura un tout petit peu de spoil. Il y aura des missions en coop et surtout du multijoueur. Je vais beaucoup me concentrer sur le multijoueur. Ce n'est pas la bêta, c'est le jeu complet today. Et bonjour à toi. Merci Tip Den pour le feu. Alors je vais faire un petit truc, est-ce qu'il y a des gens qui sont sur Xbox One, PC ou PS4 et qui veulent la bêta de Steep qui est en ce moment? Help
us help them. Remember, not everyone can adopt a child, but anyone can help them. Bonjour, j'aurais voulu savoir si c'était mieux que GTA 5. Ah, c'est un GTA 5 avec des hacks. Mais pour l'instant, mieux, on peut pas se fixer. Alors, oui, oui. Alors, la coop, je serai en compagnie de Red Fox. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un autre star player que j'ai connu. Et on va se faire ça. Il a réussi à dégoter une PS4 vu qu'ils nous ont donné le jeu sur PS4 hier. Et il sera là cet après-midi. PC Power. Pourquoi pas moi, je suis sur PS4. Donc je vais faire un giveaway. Oh, on vient d'y aller à Alcatraz. Je vais faire un giveaway. Donc je vous invite seulement les personnes qui ont envie d'avoir la bêta de Steep. Bon, la bêta de Steep, elle a déjà 2 jours. Donc vous aurez encore 2 jours pour y jouer. Et comme ça, vous aurez déjà téléchargé pour le 18. Donc je vais faire ça. Il n'y a pas vraiment un online, il y a du multijoueur. Donc je vais vous faire ça. Il va falloir trouver un chiffre entre 0 et 100. Donc allez-y. Trouvez le chiffre. Merci Monsieur Braqueur. Il est mieux là-bas. Et évitez le 1, 2, 3, 4 today. Merci. Today. 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 Merci. Pas de soucis. Là. Hop, c'est gamer. Ah ouais, c'est peut-être là en fait. Ça a été gagné, stop, stop. Est-ce que les modos peuvent dire stop? Merci les modos. Gamer il a gagné mais il continue les codes. Gamer stop. Tout le monde stop. Alors gamer, on va passer en chuchot. Madame, stop. C'était pour gagner quoi, la bêta de Steep? Je t'ai parlé en chuchot là, gamer, je sais pas si t'as reçu. T'as les subs? Non, j'ai pas les subs, t'as pas encore. Bientôt. Salut moi. Justement, s'il y en a qui veulent m'aider à être partenaire Twitch, je devrais pas être loin, il faudrait que je reste dans les 100 spectres constants. N'hésitez pas à me suivre là sur Twitch et aussi à activer les hosts automatiques, ça peut aider. Tu peux montrer le voiture. Bah je suis dans la voiture là. Je te montre quoi. Gamer, je t'ai parlé. Oui, j'ai une chaîne YouTube. Fais point d'exclamation YouTube et tu l'auras. Chaîne YouTube où il y avait des vidéos de Watch Dogs 2. Il y a une vidéo récente que j'ai faite pour les 30 ans d'Ubisoft dans l'événement qui a eu lieu. Il y en aura encore à gagner, Dark, t'inquiète. J'attends juste que Gamer me réponde. Mais Gamer ne veut pas répondre apparemment. Gamer ? Ouais, ça serait cool. Rends tes chuchots, gamer. Réponds-moi en chuchot, s'il te plaît. Le jeu est super moche. Tu es en quelle qualité, copain? Du moins, tu es en source, en normal, en quoi? Spot pas loin. À toutes les voitures qu'il y a dans le jeu. On va voir ça. Donc on lance son code. Bah je sais pas, il est là gamer pourtant.
Et j'en ai encore deux, t'inquiète, Dar. Merci pour la voix. T'étais en élevé ? Mets en source. Si tu peux. Quoique ça peut être pas... par là le spot. Putain, faut que je me souvienne, il était où ce spot ? Il y avait un spot magnifique pour voir la map et... je trouve plus. Ça servait à quoi le... En fait, c'était un code pour la bêta de Steep qui est en ce moment. Qui est en accès bêta fermé. Et qui ouvrira le 18. Est-ce qu'on peut conduire le tramway? Il me semble pas. On peut pas conduire le tramway. On ira voir, mais on peut pas. Ah voilà, c'est là le spot. Il semblait bien que c'était par là. J'ai réussi à passer en élevé, mais sur ça marche pas. Ah merde. Un piratage online. On fera le piratage online cet après-midi. Salut monsieur Lumière. Comment vas-tu? Ouais, c'est la map qu'on a accès. La conduite, elle est beaucoup mieux que le premier. Salut Bethem, comment vas-tu? Alors, il a dit qu'il avait vu le chuchotement. Ouais, mais il me répond pas. C'est ça, moi, que je veux. Je veux qu'il réponde à mon chuchot. Pas qu'il me réponde en... sur le live. Brr. Effectivement, c'est mis en source. On est d'accord. La bêta type, c'est sur quelle plateforme? Le code que je vais vous donner, c'est un code qui générera ce que vous voulez, c'est-à-dire PC, PS4, Xbox One. T'as déjà acheté la PS4 Pro pour avoir Watch Dogs 2 en avance? Non! Je n'ai pas de PS4 Pro, j'ai une PS4 normale. Le code, c'est Ubisoft eux-mêmes qui me l'ont envoyé hier. Je suis, pour information, pour ceux qui arrivent, qui ne me connaissent pas, Star Player Ubisoft de cette année, invité à l'E3 par Ubisoft. Invité lors de l'événement de Watch Dogs 2, j'ai pu enregistrer un gameplay de Watch Dogs 2 que je vous ai diffusé la dernière fois en live et il y a 2 mois en live et sur ma chaîne YouTube. Accès à quelques events de Ubisoft. Donc j'ai eu le jeu hier, j'ai reçu l'autorisation de stream le jeu, de vous stream quelques parties du jeu. J'ai tout mon manuel de ce que je peux vous stream. Voilà. Voilà. Pour ceux qui diraient que je n'ai pas l'autorisation de stream ou comment j'ai eu le jeu. Je l'ai acheté 0€, Ryan. Et merci Sacha pour le follow. Et tous ceux qui ont follow, hein. Merci à vous tous. Hein. Ce sera avec plaisir de vous revoir sur d'autres lives. Hein. Ne vous inquiétez pas, je suis pas que sur du Watch Dogs, je vais pas faire que du Watch Dogs. Là aujourd'hui c'est live Watch Dogs, mais demain il y aura du Steep, il y aura du Rainbow Six Siege, il y aura de tout. La conduite est chelou? Ouais. Elle est toujours un petit peu bizarre, mais elle est beaucoup plus naturelle que le premier. Ça, je peux te le dire. Parce que le premier, on est tous d'accord que la conduite était un gros carré qu'on pilote. Ah non, là, c'est déjà plus poussé. Watch Dogs 2 est bien? Oui, moi j'aime bien. Merci pour le refollow, Watch. Donc, je vais envoyer le code à Gamer et on va faire en gagner un deuxième. Attendez. Merde, c'est quoi ce bordel? Je comprends pas.
Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la version définitive, oui. C'est le jeu complet que je vous stream. Et non, une bêta ou je sais pas quoi. Comment on peut voir ta chaîne? Avoir une connexion. Je sais pas, c'est bizarre ta question. Hop, je t'envoie ça. Tac, tac. Tu vas me confirmer que t'as reçu. Ouvre le lien que je t'envoie. Alors, Season Pass, il sert pour avoir du contenu en plus. Effectivement. Des événements qui aura lieu plus tard dans le jeu. Merci Solo pour le follow. J'ai vu sur YouTube des vidéos, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de bugs quand même. De bugs quand même en multi. Ah, j'ai pas encore testé le multi, on verra plus tard. On verra. On verra. On verra, on verra, on verra ce que ça donne. Avec la PS4 Pro, je ne sais pas, je ne l'ai pas et je ne pense pas la prendre. Quoique en ce moment, je crois, avec Micromania, si tu ramènes ta console, tu peux la toucher à 200 euros, il me semble. Ah, c'est les petites courses qu'on a dans. Dans le jeu, il y a pas mal de courses à faire, de courses en moto, en voiture. Il y a pas mal de choses intéressantes. Je vais vous faire visiter la map. Là. Comment certaines personnes ont à l'avance. Soit c'est Micromania qui l'a lâché, soit ce sont des influenceurs Ubisoft ou des star players comme moi qui ont eu l'accès au jeu. Merci Poké pour le follow. Je vais essayer de répondre aux autres questions. Je vois qu'il y a d'autres questions dans le live. Pas là pour vous montrer du gameplay magnifique, passionnant. Je vous montre ce que vous voulez voir et ce que j'ai le droit de vous faire voir. Donc, s'il y en a qui ont des envies particulières, mettez-les dans le stream. J'essaierai de voir si je peux, si c'est faisable. C'est une sorte de GTA, ouais, une sorte de GTA avec du hack. Parce que là, normalement, j'ai pas encore débloqué les compétences, mais tu peux hack les véhicules. Tous les véhicules qui sont devant toi, derrière toi, tu peux les bloquer et faire en sorte que il aille à gauche, à droite, reculer, avancer. Ça, c'est à toi de voir. Course poursuite avec la police. Ça doit pouvoir se faire. Ça doit pouvoir se faire, ça. Hop là, atterrissage. Salut au potre. C'est ouais, c'est un mode ouvert. Va à Alcatraz et visite un peu la ville. On va essayer de tout faire. Hein. Vous êtes nombreux à vouloir que j'aille à Alcatraz. Beaucoup. Même beaucoup trop. Est-ce que tu peux être chauffeur de bus? Je crois pas qu'on puisse monter dans les bus. Montre-nous toutes les armes qu'il y a. Alors pour ça, il faut que j'aille dans la base. C'est le spectre. Donc n'hésitez pas à partager le live sur Twitter. Je vais vous faire gagner la deuxième clé pour Steep. Salut, tu peux faire une mission. Non, Nesta, j'ai pas. Ce matin, c'est pas mon envie de vous montrer, vous spoil des missions. Là, je vais plus vous montrer la map, montrer ce que vous voulez voir. Cet après-midi, il y aura des missions coop, il y aura peut-être des missions principales. Faut que je regarde lesquelles j'ai le droit de vous montrer. En coupant des séquences. Et il y aura surtout du coop. Coop multi. Auchan, on l'a lâché à côté de chez toi. Bah, tant mieux hein, s'il a lâché. Graphisme de merde. Change la qualité et bonjour, monsieur. Pas de mission principale. Comment tu fais pour jouer à Watch Dogs 2 avant sa sortie? Ubisoft me l'a envoyé. Bah Dark Vador, moi je te laisse regarder et te fixer toi-même. Je vais vous faire gagner la deuxième clé pour ce type. Oh, je t'ai déjà répondu.
Donc il y en a qui voulaient que je fasse une course-poursuite. Donc une course-poursuite. Il faut trouver. Voiture de flic. Donc il y en a une sur la carte en haut. Bravo Marcus, notre nombre de followers explose. Et il y en a combien qui nous filent l'accès à leur PC? Tous, c'est ça l'intérêt. Ils nous donnent l'accès et nous, on établit un énorme réseau de PC qui nous rend plus forts. Notre propre réseau informatique sur le cloud. Et les gens signent une espèce de contrat, genre j'accepte que TedSec contrôle mon processeur. Ouais, nous on est transparents. Avant même d'installer l'appli, ils savent qu'ils nous donnent accès à la puissance de leur ordi, mais jamais à leurs infos perso. Faut avoir sacrément confiance. La Silicon Valley serait prête à tout pour un niveau d'intrusion pareil. Son économie est basée sur l'exploitation de données privées. Okay. Sauf que nous, on veille sur nos followers. C'est pour ça que les gens rejoignent notre groupe. Ah, ça a été gagné par qui? Passer un message à tous ces technocrates. Dark. Ah bah GG Dark. Je vais t'envoyer ça. D'ici peu, je finis ma course poursuite et je t'envoie ça, mec. Pas de problème. Si on peut prendre les bus. Si. Merci donc pour le follow. Donc c'était Dark. Dark. C'est lequel? Dark 89. Merci demoiselle pour le follow. T'as envoyé ça. Ah, les flics sont beaucoup plus réactifs, les gars. Regarde les flics. Vous pouvez le voir, je les ai semés, mais ils m'ont retrouvé assez rapidement. Je vais t'envoyer ça. Je vais te demander. Je vais t'envoyer un lien. C'est le lien pour activer le code. J'ai encore une clé type à faire gagner après. Donc il y a toujours le système de hack des bouches d'égout. Ainsi que ça. Arrêtez immédiatement votre véhicule. L'esprit plus sobre, c'est-à-dire. C'est bien ça. Si on a joué au 1, c'est compliqué de s'adapter au gameplay. Non. Non, c'est. Ils ont ajouté pas mal de choses, il n'y a pas. Il n'y a que quelques trucs qui se reviennent, mais il y a des motifs, t'inquiète. T'es pas obligé pour comprendre le 2 de Rojo. Si c'est ça aussi le but de ta question. Du LSPD, je ne pense pas. Sombre. Ah, plus sombre. Excusez-moi, je n'ai pas vu. J'ai lu vite fait comme d'habitude. Donc, en même temps, je conduis, je réponds aux questions. Je ne peux pas tout faire. Comment tu l'as eu avant? Ubisoft. Donc, je t'ai envoyé le code normalement, et en fait c'était mon dernier, j'en ai plus. Donc on peut prendre des trams en tout cas en ville, on va voir ça, on va y aller, on va voir ça directement.
Comment tu as fait pour être star player Ubisoft? Alors pour être star player Ubisoft, comment j'ai fait? C'est très simple et très dur en même temps. Je suis parti, je jouais énormément à R6. Bon, je joue toujours énormément à Rainbow Six Siege. J'en avais marre des glitches, je suis allé les contacter sur Twitter, ils m'ont donné un contact. J'ai discuté avec ce contact. Je leur ai fait des retours 2 à 3 fois par semaine, des gros retours de glitch, d'amélioration à faire, de bugs. Ils m'ont mis en priorité sur des events, en tant que star player sur World of the ou sur Ghost Recon. Ils m'ont mis star player sur World of the, mais sauf que j'ai le grade sur tous les jeux pratiquement. Et ils m'ont fait aller à l'E3 cette année. Voilà. Moi j'aime bien le jeu. Alors il est ultra bien modélisé. Toujours des civils. Ah, les civils sont plus dans la ville après. Mais ils ont quand même beaucoup modifié l'aspect du jeu et mis plus d'animation. Donc ces icônes qui sont sur la gauche, tout ça, là je viens de regarder, j'ai le droit de vous faire des trucs. Salut Soussou. Bah j'ai pas encore fait Nesta complètement, mais après ouais je pense que c'est un peu comme ça. C'est le comédie. R6. R6, envoie-moi ta chaîne. Bah elle est là, t'as la chaîne. C'est celle-là, c'est sur ce Twitch que je stream le R6. Tu peux faire le bordel. Allez bordel, d'abord on fait le tram, on essaie de trouver le tram et après on fera le bordel si tu veux. Ah, tout à fait d'accord Dark. Faut pas dire que le jeu est nul. Moi, je préfère une personne qui vienne sur le live qui me dise ouais, le jeu me plaît pas parce que je sais pas moi, les graphismes ne sont pas à la hauteur, des trucs comme ça. Qu'une personne qui arrive dans le live qui dise ouais, c'est de la merde. Ok, c'est de la merde. Pourquoi? Non, c'est de la merde. Et ton commentaire sert à quoi? Merci, Ombre Profolo. Tu veux sur PS4 normal ou pro? PS4 normal. Félicitations pour ton ascension, belle progression depuis que je suis. Ouais, mais ça c'est grâce à vous, c'est pas. J'arriverai pas tout seul. Tout seul c'est impossible. Ils ont pas mis de mode multi. Si, il y a un mode multijoueur. Mais je ne vous le streamerai pas ce matin. Je vous streamerai le mode multijoueur cet après-midi où on ira peut-être voir vite fait quelques trucs après. Salut Bastien. Hop. Donc non, on peut pas hack ces trucs et on peut pas monter dessus. Ok, on a notre réponse. Alors foutre les bordels. Faut foutre les bordels, c'est ça. La fois tu m'as fait délirer sur Just Dance. Chut. Il y a du monde. Non, je n'ai pas fait du Just Dance en live. Hack les palmiers, lol. Ouais, difficulté max, c'est. Déjà, il est quand même hard le jeu. Alors, qu'est-ce que je peux faire voir? Merci, War, profond. Lundi, c'est un pro? Ah, mais c'est bon ça. Là, le GDN, il y a deux, c'est. Ouais, va dans la base pour nous montrer les armes. Ouais, c'est ce que je cherchais. À la base, bon, j'y vais en mode feignant. Après, il y aura des autres joueurs qui voudront te tuer parce que... Ouais, oui. Tu peux dire à Ubisoft de ne pas rater Ghost Recon, j'en attends beaucoup. J'ai déjà joué à Ghost Recon et t'inquiète pas, je leur ai envoyé un pavé. Les flics sont quand même bidons. Ils sont bidons, mais ils sont plus forts qu'avant. Merci Soussou pour l'os. En 2016, ils savent toujours pas faire des deux barrages. Ah oui, ils ont repoussé la version PC, mais c'est pour l'améliorer.
Mais il n'avait pas des barrels sur le premier? Je sais plus. Scène de conduite de The Crew. Comme ça, c'est. C'est différent. Je sais pas, bizarre. Donc voilà les armes. On peut acheter la mitrailleuse si je veux. Il y a un sniper. Des fusils à pompe. Ils coûtent cher. Après, en gadget, on a aussi le. Bah, ça déjà que j'ai. Et il y a l'hélicoptère. Le quadricoptère. Le quadri. Voilà. Quadricoptère. J'ai eu comment le jeu par Ubisoft. Comment t'as réussi à avoir le jeu Ubisoft. Merci demoiselle pour le host. T'as pu toucher Ghost Recon Event? Non, test technique, mais je ne peux pas en parler. Je peux pas en parler complètement, mais oui, je. Voilà. On va faire du parcours. Ouais. On verra. Ah, il y a un truc que je voulais vous montrer. Est-ce que quelqu'un sait d'où sort cette figurine? Ça doit bien sortir d'un jeu, mais je sais pas lequel. Ouais, Spectre, il y a des drones partout. Hein. Oui, il y a des systèmes de voler. Voler de l'argent, voler avec son téléphone l'argent des mecs. C'est une chemise de merde, je suis d'accord. Tu peux changer les vêtements? On va y aller. Ils auraient dû mettre même si c'est mon conduite que The Crew. J'ai pas joué vraiment à The Crew, donc je sais pas la conduite comment elle était. Ouais, j'ai juste joué ce Watch Dogs et la conduite a été vraiment améliorée par rapport au. Et pour les new persos de Rainbow, ils sortent quand? Alors, on aura le gameplay de présentation aujourd'hui même, dans l'après-midi ou dans la soirée, je sais pas exactement l'heure. Et on aura aussi la sortie du DLC normalement dans la semaine prochaine. Merci Caleb pour le follow. Il y a 3 ans, on me regardait bizarrement quand je. Bah ouais, Spectre. Il y en a partout là. Dark Soul. C'est bah les pseudos. Ouais. Kondo, tu danses bien, n'empêche. Chut. Oh là 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 là. Il va dire que maintenant je danse sur Jetsons. Oui, j'ai Jetsons. Ma main a l'air petite. Tu as San Francisco, la Silicon Valley, Auckland et le marin. Avec des petites ma des petits lieux. Après, moi je préfère une map petite. Mais avec du contenu qu'une map grande et qu'il n'y a rien dessus. Non? Braque un magasin. T'es pas gentil toi à braquer des magasins, non? Va au bureau d'Ubisoft, faudrait que je trouve où il est. Merci Pierre pour le choix. D'abord on va choisir la tenue. A vous de choisir la tenue les gars. Les gars et les filles, parce que moi, niveau tenue, vous avez vu mes prouesses. Alors, Shaolin, normalement, il y a dans toutes les boutiques, il y a des habits différents. Donc, à mon avis, il devrait bien avoir une boutique costard. Il y a beaucoup d'eau sur la map. Ah, mais après, dans un lieu. Faut aller à South Park. Ah, bon, on va aller à South Park. J'aime bien ce truc là. D'accord, j'arrête. Je peux te demander quelque chose en PV. Ouais, vas-y. Vas-y, il est où, what? PS4 Pro, normal. Normal, et bonjour à toi. Merci Samy pour le follow. Il n'y a que des tenues de Wash Wash, mais en même temps, on est des Wash Wash. Bah après, faut regarder toutes les boutiques s'il n'y a pas des tenues plus adaptées à nos goûts. C'est quoi ces pantalons de merde en tout cas?
Sa coche et son chelou, what the fuck. Mais si tu tuerais O'Connell. Pas sur la carte. Ouais. Je pense qu'il y a encore ça, Nesta, mais je suis pas sûr. Pour pas te dire de conneries, je suis pas sûr. Ah, c'est de la haute couture. Truc de piratage, c'est-à-dire, c'est bon. Tu m'as dit South Park? Ici, il y a un truc? C'est là le quartier où il y a Ubisoft? Ton casque étant AX Pro Plus. T'as mon squad de jeu, moi j'aime bien. Merci Dizik. Mais je te laisse regarder qui gagne plus précisément toi. Parce que moi je peux te dire c'est magnifique. Mais après, chacun ses goûts. C'est-à-dire tuture. Je braque le magasin outil. On dirait qu'il a chié dans son froc. Ouais, on est d'accord. Salut Wayne. 100 mètres après. Après, 100 mètres après. Par là. Par là. Par là. Par là. Je sais pas du tout où c'est, moi. Quoi comme écran, j'ai une télé Sony de 110 cm, un truc comme ça. Ouais, Dark Vador, mais on verra bien après le jeu si démarre pas. Il va pas démarrer comme ils veulent. Ça, on a toujours le retour de Watch Dogs 1, mais les graphismes n'ont pas été modifiés. Ils sont tels quels de l'E3. Et après, au niveau du gameplay, il est sympa. T'as oublié les chaussures? Ah, excusez-moi, j'ai oublié les chaussures. Des garages, je crois pas qu'il y ait de garage. Attendez, j'ai oublié les chaussures parce que c'est important les chaussures. Hein. Franchement. Ah ouais, attends, celles-là elles sont trop belles. Vas-y, vas-y, moi je les mets. Ouais, non, celle-là, celle-là. Vas-y, file la caisse. T'aurais pas dû faire ça. Alors. Mais il a pas de caisse lui. Vas-y, tu m'as fait faire. What the fuck. Salut West Coast. Tu m'as fait faire braquer une balle. Putain, je suis dans la merde. Allez, on se casse, on se tire. On se tire, on se tire, on se tire. Non. Range le rod. Range. Hop. Wesh, c'est quoi ce vieux t-shirt? T'as vu? Il est magnifique! Le t-shirt qui est dans le jeu ou moi? Le bruit des armes est incroyable. C'est du drôle. Merci Genzo pour le refollow. Ah bah ça a pas marché. Ah non, ça a pas marché. Bonjour! Pas les trucs. Live marche pas. Dites-lui d'actualiser, de passer dans une autre qualité. C'est quoi ces chaussures comme? La CD est magnifique, hein? Merci petit pour le follow. C'est bon, je te l'ai envoyé. Je t'ai répondu, je suis chaud, non? Je sais plus. Oui, je t'ai répondu. Allez, on va trouver les studios du Ubisoft. Ouais, je les ai vus hier, ils sont passés par là. Mais après, je sais plus où ils sont allés. Je crois qu'ils sont allés par là. Hop, trouvé. Merci Pogo pour le follow. Les studios de Ubisoft. Ouais. Alors. Avec le petit
La petite affiche Assassin's Creed. Hein? Ah, on peut voir les trucs. Ok. En décembre. Bah ouais, le 21 décembre. Qui va pas aller le voir? La tronche à Marcus. J'ai gagné le même t-shirt que toi grâce à Ubisoft. Bah moi ils me l'ont donné. Lors de l'event. Attends, j'ai entendu, t'as vraiment une tronche de... C'est toi là? Non, 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 sors, tu sors de là, tu sors de là. Sors de là. J'ai entendu, t'as une tronche de gland. C'est toi qui as dit ça? Ok. Il y a beaucoup de voitures différentes. Ouais, il y a beaucoup de voitures différentes. Après, on va aller là au pire. On va voir. Tu joues sur TV Full HD ou 4K? Full HD. Tu tapes les femmes. Bon, ouais, ou est-ce que t'attends, elle a dit tête de gland? Vas-y, tu me dis pas tête de gland. T'as des news sur le prochain Assassin's Creed? J'ai pas de news pour le prochain Assassin's Creed, non, désolé. Désolé, c'est ma faute. Salut. Coûte combien le jeu? Bah il coûtera bah, le prix d'un jeu à la sortie. J'ai pas les chiffres exacts, mais... Merde. Et on vous donne de l'argent pour faire ça? Ouais. Je peux faire quelque chose pour vous? J'arrive pas à valider le code. Tu es bien allé sur le site que je t'ai donné? Chercher quelque chose de spécial. Faut aller sur le site et tu valides le code, normalement c'est bon. Il y en a plein qui l'ont fait. En Égypte? Alors là, fromage, je me fixerai pas là où il sera le prochain. Je préfère attendre et voir. Sur PS4 normal, newbie. Salut Pain. Tête de gland, je suis d'accord. LOL! Voilà, ça va être beau, Ghost. Non, il n'y a pas de problème, Video Gaming. Ils ont bien, bien travaillé sur les graphismes, mais ils n'ont pas fait de dumb crowd. Salut, Vanessa. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Pas de soucis. Ouvre le véhicule! Merci! Ravi d'avoir fait affaire avec vous. Merci les gars! Très sympa! Hein. Oh le vendeur! Vas-y, vas-y, tu peux la tester! Vas-y Francis! C'est open bar! Ah, vas-y, rêve toujours! Juste après la course poursuite. Arrêtez votre véhicule. Bah je t'ai dit de rêver. Je crois qu'il y avait un barrage là par contre en bas. Et il y a l'hélicoptère. Ouais, je l'arrêterai plus tard. Non, c'est un code pour la fermer. Tu rentres le code sur le site Dark Shown, tu te connectes via ton compte Ubisoft. Et là, tu vas recevoir sur ta boîte mail un autre code qu'il faut rentrer sur la console de ton choix.
Oh, il y a des barrages là. Bon, ils m'ont crevé. Oh les bâtards. Ah vas-y, je m'arrange pas moi. La meuf elle est partout. Ouais, t'as vu ça? Pirate ta voiture de flic. Tu arrêtes tes véhicules s'il te plaît. Non. Non, non, j'arrête pas le véhicule. Vas-y. Le problème c'est que j'ai pas débloqué les trucs pour hacker les véhicules. Ouais, ouais, il faut prendre la route. Bah normalement tu devrais recevoir un code après voilà. Un autre code Dark. Aïe. On avait dit pas les fesses. Oh je suis full bordel. Oh oh. C'est full bordel. Ouais, il y a des coups de feu. Elle est morte. Allez, on s'appelle. Oh putain, les enfilés. Utilisez des grenades. Merci Bigazator pour le host et je vais répondre à vos commentaires juste après, vous inquiétez pas. Putain, merde, j'appuie sur le bouton. C'est les Fennec. Police, rangez-vous. Oh, tu me casses les pieds. Oh putain, barrage de flic. Oh, elle a mis les herses au milieu. Oh le con. Oh mais t'es partout toi, vas-y. Raté. Try again. Olé, olé, olé. Vas-y, je suis avec vous. Pff. Oh le con. GTA. Ouais ouais c'est GTA. Tout à fait d'accord, vas-y. Je trouve la prochaine sortie. Olé. Oui madame, je m'arrête. Oui oui oui, je me range. J'ai pas les gadgets. Hop. C'est qui voulait une course poursuite digne de ce nom? Même les bateaux là maintenant. Oh fuck. Rangez-vous immédiatement.
Bah écoute la madame, non j'écoute pas la madame. Je viens pas savoir. Ah, doucement, fromage. Hop là, oh, salope. Bon, je me range, c'est bon, je rigolais. Ou pas. Merci Choucroute. Oui Miguel, qui est Miguel? Trump sort de ce corps. What the fuck? Non mais les flics ne lâchent plus vidéo game. Donc je vais lire vos commentaires vite fait. Merci à tous ceux qui ont suivi. Une voix féminine pensant que... ouais, je vais l'écouter. Non, rien. Ok, Miguel. Ah, merci pour la moto. Ravi. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai cru que j'étais invisible. Ah, bah non. Après, peut-être qu'il y a des choses à modifier. Est-ce que... je ne sais pas. Il est comment le jeu? Moi, j'aime bien. Mais regardez. On peut filer en voiture. On peut tirer en voiture. Bah, t'as pas vu, je pouvais tirer tout à l'heure. Donc, on va aller faire un petit truc que j'aime bien. Bon, par contre, toi, évite de spam avec tes emotes de cul. Ok. Bon, tu te prends 10 minutes dans la gueule. Comme ça, bah, il y a déjà eu 10 minutes. Va Alcatraz. On va y aller juste après la course. T'inquiète, bro. Merci Nexus et Kiki Boss pour le follow. Mais moi aussi je l'ai Théo. Salut Jessim. Donc, ce truc là, c'est une belle cool, course. Le drone. Ouais, et encore, t'as rien vu. Je te promets, mec. Piloter un drone, c'est le truc le plus fun de la vie. Si y en a, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Tu pourras le faire voler autour des collines de San Francisco. Je balance des fois des concours, des trucs comme ça. C'est top. Tu sais quoi? Je vais peut-être faire ça. Casse pour la play? Bah, celui-là, un Triton X Pro Plus. Fromage. On se calme. Non, PS4 normal. Une fois que t'auras un drone. Ah vas... putain, je peux pas le faire. Oh, fais chier. J'ai une petite idée. Comment faire pour avoir du fric? On va faire ça. C'est les polos et pas le signe. Merci pour vos follow, les gars. PS1, ouais, je suis sur PS1. Mieux que le premier, mais c'est totalement différent, mec. On va faire toutes les courses. Comment t'as eu le jeu en avance? Ubisoft, Michael. Je suis star player Ubisoft. S'il y a un modo qui peut mettre le message que tu as mis tout à l'heure, Warzir, c'est beaucoup mieux que de répéter toutes les 3 secondes pourquoi j'ai le jeu en avance, pourquoi je vous stream le jeu, et gna gna gna. De toute façon, vous ne verrez pas de mission principale jusqu'à cet après-midi. C'est cet après-midi où je ferai quelques missions principales. Celle où j'ai le droit de vous montrer. Des coop, du multijoueur. Bah tout ça. Merci My Dad de dire que j'ai volé le jeu. Je l'ai volé le jeu directement chez Ubisoft. C'est mieux. Dès qu'il est sorti, hop, je l'ai pris, hop, volé. Et merdasse. Ta faute My Dad. Voilà. Même pas déposer le jeu chez moi. Merde. Recommencer. Même pas déposer le jeu chez moi. Ils m'ont carrément donné une clé PSN. C'est encore mieux. C'est plus rapide. Je suis sur PS45. Ouais, je suis sur PS4. PS4 normal, pas la pro. Je l'ai pas acheté là. Comme a menacé Ubisoft. Ouais, je leur ai dit, wesh, tu me donnes le jeu, sinon je l'achète pas.
quelque chose de bizarre. Merci Spectre pour l'os. En tout cas, ils m'ont fait un beau cadeau de me le donner en avance et de me donner l'autorisation de le stream parce que je pensais le recevoir que la semaine prochaine. Conduite en moto ? Ouais, elle est bizarre, mais après, ça reste une conduite. Hein. Tu te fixeras toi-même, parce que moi, de toute façon, moi, que ce soit du GTA, que ce soit du... Il y a quoi comme jeu ? Que ce soit n'importe quel jeu, tu demanderas, j'ai une conduite de merde, donc on peut pas s'y fixer. Je sais pas conduire. Même sur Steep, avec les snowboards. Bon, regarde, je prends tous les arbres. Après tu vas dire c'est la conduite qui est de la merde. Non, c'est moi, je sais pas piloter. La dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a fait confiance pour piloter sur Ghost Recon. Il aurait pas dû, hein. Ah, what the f... Ok. Ah, je sais vraiment pas piloter, moi. Elle est bien longue, cette course. Ah, bah, elle est finie. Star Player Busaf, oui. La cour de la moto va bien avec tes souliers. T'as vu? Allez, merci. J'allais bien choisir. Il sait pas conduire. Ah non, je sais pas conduire. Un an 159 jours. Bien. Merci Pinky pour le follow. Attends, tu sais piloter les avions sur BF. Ouais, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu sais très bien piloter. Par terre, ouais. T'en penses quoi de jeu ? Moi j'aime bien. Mais après, regarde bien. Regarde par toi-même et tu le diras. A ton avis, est-ce que vous voulez... Watch Dogs 2 ? Ben oui, c'est tout à fait modifié par rapport à Watch Dogs 1. C'est pas le même, la conduite améliorée, les graphismes n'ont pas été downgrade. Il y a pas mal de nouveaux systèmes de hack. Hashtag je ne peux pas montrer. Il y a pas mal de nouveautés. C'est un open world que le premier... c'était quoi déjà le premier ? Le premier, t'étais fixé avec les missions, t'avais pas grand chose à faire d'autre. T'as de la coop intéressante, on fera cet après-midi en compagnie de Red Fox. Et t'as du multijoueur comme le premier. Il y a des choses à faire. Il y a des poteaux à prendre. Je crois que je peux faire recommencer. Confirmer. Ça va Mika et toi? Alors c'est quoi Star Player Ubisoft? Alors Star Player Ubisoft. Elle bim plus non. Yeah. Salut PayPay. Alors Star Player Ubisoft, j'ai eu le grade de Star Player Ubisoft cette année. Il y avait beaucoup de problèmes sur R6, la musique siège. Et j'étais parti pour aller gueuler sur leur Twitter. Bon, j'ai pas gueulé, j'ai gueulé carrément en privé sur Facebook. Puisque la personne m'a dit viens, on va discuter. J'ai discuté avec la personne. Je leur ai fait 2-3 retours par semaine sur le jeu, au niveau des glitches, des bugs, des améliorations qu'il faudrait apporter. Parce que j'adorais ce R6 et même je l'adore encore, j'y joue encore très souvent. Et il s'avère qu'ils ont vu que j'étais bien impliqué dans la communauté R6, impliqué dans le jeu, impliqué dans les améliorations. Ils m'ont mis sur des projets en tant qu'influenceur sur Watch Dogs 2 ainsi que Ghost Recon. Et en avril dernier, j'ai eu un joli mail comme quoi, bonjour, vous êtes Star Player Ubisoft et vous êtes invité à l'E3. Ok. Faites vite votre passeport et dès que vous avez ça, on vous donnera vos billets. Donc voilà, c'est comme ça. Donc le grade de Star Player, ça me donne... le privilège de pouvoir discuter avec les community managers ainsi que des développeurs, être directement en lien avec les développeurs pour leur envoyer ce qui ne va pas dans le jeu, grâce à vos retours et aussi à mes retours moi puisque j'y joue. J'ai des accès de temps en temps, j'ai accès à toutes les bêtas du jeu, toutes les bêtas alpha, et à des events.
Et j'ai accès, je reçois tous les jeux en avance, tous les triple A en avance, ou le jour même, avec une autorisation de stream. Non, Dark, le lien, c'est pour rentrer le code, Dark. Je vais re-regarder, mais c'est le lien que j'ai envoyé à Dark Strategy, et ça a marché, Dark, ce que je t'ai envoyé. Je vais répondre à vos commentaires juste après, après la course. Merci à tous ceux qui suivent le stream. Voilà. Alors le lien que je t'ai envoyé, Dark. Ok, ça va plus s'ouvrir. Non. C'est le lien que je t'ai envoyé, c'est le lien officiel pour rentrer les codes. Jouer contre toi R6, j'ai gagné. Bah tu sais, on fait tellement de parties que je sais même plus ce que j'ai fait. Si j'ai le mode histoire, mais je n'ai pas le droit de vous le montrer. Je t'ai embêté ? Non, il va sortir là. Ah, on n'est plus en moto. Et tu me sortiras tous les jeux. Tous les jeux ont des problèmes, ont des soucis à la sortie maintenant. Merci Lucas pour le coup. Non, il y a... Le lien que je t'ai envoyé, c'est pour activer le code. Faut que tu te logues, sinon ça marchera pas. Et après il y a marqué est-ce que vous avez un code pour activer votre accès. Et là tu cliques activer mon code et tu rentres le code. Puis après ils vont t'envoyer un code sur ta boîte mail qui est lié à ton compte Ubisoft Club. J'ai envoyé à 5 personnes ce genre de code. Il n'y a eu aucun souci. Alors je vois pas pourquoi il y aurait un souci avec toi. Je vais regarder vos commentaires juste après. Oh putain de merde, Adèle. Ceux qui sont là, qui ne me connaissent pas, n'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter et Facebook. Et j'ai aussi un Snapchat où je balance quand je commence un live, de temps en temps. Mais le mieux, c'est Twitter pour être averti. Je vais lire vos commentaires, mais je préfère conduire que lire vos commentaires sans que je me casse. Non, le truc en bas à droite, ce n'est pas le boost, c'est le la charge pour hack. Il y a effectivement sur le jeu du boost pour les véhicules, mais il faut le débloquer. Et au stade du jeu où je suis, comme je ne fais aucune mission principale, pas de mission secondaire, je n'ai pas d'amélioration. Je vais regarder vos commentaires après, n'inquiétez pas. Postez des questions, je vais y répondre si je peux y répondre. No problem. Oh putain la belle. J'aime pas les stops. Il y a des youtubeurs qui montent la campagne. J'ai peut montrer quelques missions. On a la liste des missions qu'on peut montrer. Mais j'ai pas envie de vous spoil. Puis c'est plutôt cet après-midi que je vais vous faire l'émission coop
du moins deux missions coop, on a le droit, accompagner une autre personne, du multijoueur et quelques missions principales auxquelles j'ai des noms et que je peux faire les... Je sais que je peux les faire. Mais ça, je vous le ferai cet après-midi, pas maintenant. Alors, les questions qu'il y a eu. Visant, bah, il y a un youtubeur, il monte la campagne, ouais. Qu'est-ce que tu préfères dans le jeu pour le moment? C'est les courses de drone, mais là je peux pas vous les montrer, il faut que je débloque. Il y aura une mise à jour pour le D1 peut-être, je sais pas. C'est quoi ce lien? Le lien c'était pour sûrement que je lui ai donné, c'était pour activer. T'as un boost en bas à droite, t'as déjà répondu. C'est mieux de se créer un compte Ubisoft ou pas? Bah, normalement, si tu as joué à un jeu Ubisoft sur la Play, ton compte PSN, c'est ton compte Ubisoft. Normalement. Merci, maman. Kinou et Rift 1111. Toi, je t'ai vu hier sur le live de Ubisoft pour le... sur ce jeu. Ce moteur physique. Je veux bien essayer ton code, mais il est déjà rentré. C'était pour la bêta de Steve Rift, mais j'en ai plus. Moi j'aime bien Zink, après c'est à vous de vous de regarder. Bah, on n'a pas l'autorisation de nous montrer la campagne. S'il y en a qui montrent la campagne, ils vont se faire crash dans pas longtemps. Moi j'ai reçu les ordres de Ubisoft eux-mêmes, des développeurs de Ubisoft. Et ils m'ont dit, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Après, s'il y en a qui montrent de la campagne, toute la campagne, bah eux, ils vont se faire ban définitivement du jeu, parce qu'ils n'ont pas le droit de spoil le jeu. Du moins, il y a des séquences qu'on a le droit de vous montrer, il y a des trucs qu'on n'a pas le droit de vous montrer. Après, je préfère respecter, être dans l'accord que j'ai signé, que de ne pas respecter et après me faire crash. Puis après, je suis là pour répondre à vos questions, hein. On n'est pas là pour le gameplay, ça sera du... Toutes les missions principales seront là pour mardi. Bien sûr, je referai un live mardi. En faisant toute l'histoire du jeu. Et mardi, normalement, il y a aussi les agents de R6. Donc je vais faire R6 et Wild Jobs. Vu qu'aujourd'hui, ils présentent la map ainsi que les agents. Et ils vont sûrement nous balancer la date. Généralement, c'est dans la semaine qui suit pour le Season Pass. Oui, le Bledard en a fait une new build, mais il a fait les missions qu'il avait le droit de faire. Il a reçu le même truc que moi. On a quelques missions qu'on peut faire, mais il a pas fait toutes les missions. Il y a des missions où on a reçu en rouge, attention, ne pas la faire, sinon on vous banne. Et il vérifie, t'inquiète pas. Hein. Vers quelle heure tu fais de la coop? Alors la coop, je pense que ça sera vers 4h, mais dès que je reprends le stream à 1h sur Wild Dogs, je ferai du multijoueur, je regarderai tous les trucs multijoueurs. On va regarder ça bien en détail, et de toute façon, il y aura de la coop avec Red Fox dès qu'il arrive. Regardez vos commentaires, les autres, je vois que ça défile les commentaires. En tout cas, merci à tous ceux qui sont présents là, les réguliers et les nouveaux. N'hésitez pas à suivre, et de toute façon, je fais beaucoup de jeux et on va pas tarder, vu qu'on approche des 20 000 followers, à faire des giveaways. Merci, le président, pour le follow. La jauge, c'est pas pour la recharge de hack. Oui, la jauge à droite, c'est la recharge de hack. Enfer, en vrai, ça serait pas mal, Specter. Ouais, je sais, il y en a certains qui étaient sur le live de Ubi hier. Je répondais aux questions puisque je connais bien. C'est nul tes courses. Bah, je t'invite à sortir si ça te plaît pas. Non, je ne fais pas de mission pour l'instant. Pour l'instant, je ne ferai pas de mission. Une jauge de popularité, j'en ai pas vu. Plus haut alors, Derek, ta question plus haut. Excuse-moi.
où le jeu est plutôt basé en ligne. Non, il y a de tout. Tu n'es pas obligé d'être en coop, tu n'es pas obligé d'être en multi. Tu peux tout faire. Ouais, pour le moment, moi j'aime bien, mais moi j'aimerais vous montrer la suite. Mais la suite, je ne peux pas. Bah, on verra, Spectre, pourquoi pas faire un truc comme ça. Mais après, faut que j'achète le drone. Ça coûte une blinde. Alors, ouais, dès... Oui, on peut en faire des missions principales, mais pas toutes. Je vais vous faire des missions secondaires, après. Là, c'est juste j'essaie de débloquer de l'argent pour acheter le drone, pour vous montrer le deuxième drone. Aussi, on visite la map en même temps. Oh putain de merde. Que contiendra le Season Pass? J'ai pas l'information, mais je peux aller voir si tu es intéressé par le Season Pass. Je peux aller voir ce qu'il donne. Ou contacter une personne d'Ubisoft qui passera sur le live, je sais pas. Je regarde, je ne me suis pas renseigné. Après, je pense que Season Pass, ça sera des parties de map en plus, des missions principales en plus, une histoire en plus, ce genre de choses comme d'habitude. Des skins, des voitures. Ouais, le mec tombe jamais de la moto, ouais. Allez, d'accord. Si, il y a des armes, Toxy, hein, il y a des armes. Hein. Là c'est parce qu'on est en train de faire des courses, mais il y a des armes. Hein. Je peux pas montrer de là, mais tu as des mitrailleuses, des snipers, des fusils à pompe. Ah ben je sais pas, Panda, j'ai mis un message, mais il y avait déjà Warzirk, il y avait Fluk, il y a Myla, donc c'était pas obligé à toi. Ils ont déclaré ce qu'il y aura dans le Season Pass. Normalement oui, ils l'ont déclaré, mais moi j'ai pas lu, donc s'il y en a un qui le sait, mettez-le, sinon je vais aller voir vite fait, ou si Amodo peut aller voir vite fait ce qu'il y a dans le Season Pass. Ça serait sympa. Putain, on pédale. Oh my god. Oh là! Culé. Alors, pour le système de personnalisation des armes, silencieux, viseur, tout ça, il faut acheter l'arme avec le silencieux ou l'arme avec le viseur, mais tu ne peux pas, par exemple, acheter une arme sans silencieux puis rajouter un silencieux. Tu es obligé d'acheter l'arme avec le silencieux. C'est ce qui m'avait été dit lors du test. Bah T-Bone il est présent hein. Bon, de toute façon ça tout le monde le sait. C'est bien une nouvelle mission dans Season Pass. Ouais c'est bon que ça. Merci Buck pour le follow. Peut-être il y a une pierce. Alors là c'est Tonio, je ne sais pas. J'aime bien les arbres. Toi-même, tu sais ce type arbre. Ceux qui sont présents dans le live, vous avez joué à Watch Dogs 1 ou pas? Dites-moi un petit peu dans les commentaires. Pas de soucis, Myla. Merci d'être passé en tout cas et d'avoir géré un peu le chat. Il y a un système de temps où oui tu peux passer, ça passe dans la nuit, ça passe jour, nuit, pluie, après peut-être qu'il y aura neige, je ne sais pas, mais il y a un système de météo. Oui j'ai trop aimé le 1.
Je laisse le taf aux autres. Oui, je joue à Watch Dogs 1. Et vous êtes tous intéressés pour ce Watch Dogs 2 ou il y a des choses qui vous laissent perplexe, que je puisse peut-être vous changer d'avis ou toujours concrétiser dans mon avis de l'achat. Merde. On part où on passe? Ah ouais, ok, j'ai pas vu. Ah c'est pas fini. Merde. Oui. C'est joli, j'ai un bon joueur moi. Mais après il y a des missions intéressantes peut-être. Moi je le craque. Scar évite de le dire par contre. Le 2 est mieux que le 1 pour toi? Oui. Il y a beaucoup plus de choses à faire, beaucoup plus de hacks. Non, il est pas encore sorti, Gaga. Commence à quelle heure les finales de la R6? Les demi-finales de R6. Je pense que c'est dans la soirée, comme d'hab. GTA 5 est mieux. Comparer GTA 5 et Watch Dogs 2. Oui, c'est faisable, mais il n'y a pas le même mode online. Après, c'est pas les mêmes licences. Bah Théo, tu aurais été là tout à l'heure, j'ai fait une course-poursuite de voiture flic. Et je peux te dire, je m'en suis pas sorti. J'avais 3 étoiles, je crois. 3 étoiles, 3 insignes et j'ai pas réussi à les semer. Je les semais, ils me retrouvaient aussitôt. Hein. Non, le système des flics a totalement été modifié. Hein. Pour que dès que tu fais un crime, tu te fasses bien courser. Bon, après, entre nous, avec les systèmes de hack, quand tu es bien développé, tu peux les semer. Mais au tout début du jeu, c'est pas simple. Ouais, 3 étoiles au début, mais après, j'ai 4 étoiles tout le long. Et je pense même que si tu obtiens le maximum, c'est impossible. Vers 13h? Ah, pour une fois, bah voilà. Merci Dark pour l'info. Donc normalement dans le milieu d'après-midi on a le gameplay de présentation des nouveaux agents et de la map. Normalement. Ou alors ça sera demain, on sait pas encore. Nouveau système de hack aussi. J'ai eu accès un petit peu au tout le système. T'as des choses intéressantes. Par contre, quand tu vas faire tes missions, va falloir bien choisir le bon système parce que il y en a énormément, hein, les systèmes de hack. T'as les anciens et t'as des nouveaux trucs. Joue mieux s'il te plaît, je préfère répondre aux commentaires que de jouer bien. Merci Kylian, j'ai déjà vu la série. Sorry, tu m'as spoilé pas. Merci pour en tout cas toutes les personnes qui suivent le stream, qui posent des questions. Là, je vais y répondre juste à la fin de la course. Parce qu'après, on va me dire que tu joues mal parce que je réponds à vos questions. Ne vous inquiétez pas, je finis. Il y en a encore pour 2 minutes de course.
Normalement là sur s'il fait sur l'autoroute ou toutes les routes, tu peux avec le nouveau système de hack les véhicules devant toi et le faire par exemple lui tourner à gauche, mais j'ai pas le système. Lui tourner à gauche et ça te lève totalement la vue. C'est vrai qu'on peut faire la campagne sans tuer personne? Bah ouais, en mode silencieux. Maintenant avec les drones tu peux faire ce que tu veux. Je vais répondre aux autres. C'est des caves. C'est quelqu'un que j'aime bien avoir dérangé. J'espère que j'aurai assez de fric pour prendre le drone et faire des courses de drone après. Elles sont sympas les courses de drone. On regardera au pire si on n'a pas de course de drone, je vous ferai des missions secondaires. Des petits trucs qu'on a le droit de vous montrer. On est bientôt à l'arrivée, je pense. Manque d'ambiance niveau map. Après là on est dans une course hein. On n'est pas dans la map. Après tu verras dans la ville il y a de la vie quand même. C'est pas vide où il n'y a rien qui se passe hein. Il me semble que si tu bouges pas il peut y avoir des agressions il peut y avoir pas mal de choses. Après tu peux faire toi même des animations hein. Avec les jolis doigts. Il danse et tout. Je vais répondre à vos questions juste après. Allez visiter tête sec, merde. Faut pas lui répondre. Ouais, je vais aller, on va aller voir. On va retourner dans la base. Du moins, on va voir combien j'ai d'argent. On va retourner dans la base, voir si je peux pas acheter ce drone. Si je peux pas acheter ce drone, on fera des petites missions secondaires pour essayer d'avoir de l'argent. Et après, vous me direz ce que vous voulez que je vous montre. Dans la limite du possible. Ouais, le drone est cher. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu comme question? On va remonter un petit peu. Pas trop quand même. Donc salut à tout le monde qui vient d'arriver sur le live. La conduite est mieux, c'est toujours si facile de semer les flics. Là je l'ai dit, en bateau. Semer les flics en bateau? Ah, j'ai pas essayé. Mais je crois qu'il y a pas mal de flics en bateau maintenant. J'espère que ce nouvel opus sera plus complet. Les missions coop, ça me donne vraiment envie. Mission coop, ouais. Bah merci Soussou. Hein. Déçu des graphismes, Killer? C'est-à-dire? Salut Martial. Ouais, ok, salut Siska. Est-ce que si on a aimé le 1, on aimera le 2? Normalement, oui. Comment tu peux jouer au jeu? Ubisoft me l'a donné. Alors, ce jeu, il est normalement, c'est le premier. Je joue aujourd'hui aussi. Ouais, il est sympa, c'est super. Encore une carte vide? Je suis pas d'accord. T'as des choses qui vont se débloquer au fur et à mesure. Et t'as des choses qui sont déjà débloquées dès le début.
Alors voilà. Il est sorti à l'éclair. Peut-être, il y a même des hochants apparemment qui l'ont lâché. On va remettre des questions là. Alors. Tac. On retourne dans la base. Et on va voir pour le drone. Je sais plus combien. Je sais pas combien j'ai d'argent. New Billy, je suis pas d'accord. Tous les jeux d'Ubisoft, ça prouve comme The Division. Rainbow Six Siege. Ça fonctionne en Suisse en lien. Lequel de lien? L'affiliation, Fond de Chimie, ça fonctionne partout, je pense. C'est les merguez. Donc, on a dit Go QG. Et moi, je peux vous montrer ces petites missions là. Toutes ces missions en carré bizarroïde, on peut les voir. Donc je vous les montrerai. Sympa le pull de ton perso. Et tu peux le perso. Oui, tu peux le modifier. Cool l'accent. Accent marseillais. Aujourd'hui c'est le grand week-end de la Pro League. Ouais. C'est pas la même chose. Oui, c'est pas la même chose. Mais ce sont des jeux Ubisoft. T'as mis tout dans la généralité. Je suis d'accord que The Division, il y a eu des soucis, des gros soucis. Par contre, là, si tu y retournerais, apparemment, ils ont modifié totalement le jeu, ils ont rattrapé le coche. Trop tard. $67,000, toujours pas assez. Donc, il y en a qui voulaient voir les armes. On peut voir ça vite fait. Hein. Donc voilà, tu as des snipers avec les viseurs. Tu dois avoir là une arme avec un silencieux. Encore un sniper. Des mitrailleuses, pour ceux qui disaient ouais, il n'y a pas d'armes, fusil à pompe. Il sort mardi. Dédie-moi s'il te plaît. Nope. J'ai commencé le live il y a 2h20. Donc vers 10h, un truc comme ça. Même pas avant 10h. 9h, un truc comme ça. Après, on peut custom aussi les armes. Avec des skins. Je pense que tu peux en débloquer. Et là, on a les deux drones. Bon, le pistolet paralysant, ça. Pas une surprise. Comment tu gagnes de l'argent? Alors, tu gagnes de l'argent en faisant des missions. Missions secondaires, principales. Mais tu en gagnes aussi en faisant... en récupérant des choses sur la map. Merde, mais je veux pas aller là-bas, moi. Je veux juste me faire TP pas loin d'une zone. Ah, voilà, dans le bar. Alors, merci Must Fabi. Et comment je t'ai affronté en ranked quand tu étais hors live, on a win, c'était chaud. Je sais plus, Tint, mec, je fais énormément de parties. Ouais, après, il y a beaucoup de jeux qui sont intéressants qui sortent. On peut fumer et boire. Peggy 18. Ah mais faut que je rentre. Bon, les moins de 16 ans, fermez les yeux s'il vous plaît. Hé Atro, quoi de neuf? Je glande, tu vois. Et toi? Je pensais trouver mon cousin ici, mais il n'est pas venu. J'ai l'autorisation beau gosse de stream le jeu. Ah ouais? Star Player Ubisoft. J'ai toutes les autorisations. Depuis des années. Et du coup... Il est devenu pote. Je pense demain plutôt ce soir. J'ai entendu parler d'un deal avec les Bradva pour faire passer de la marchandise. Je suis pas sûr que ce soit le délire de Dead Sex. Non, mais attends. Après lui, c'est pas de la drogue cette fois-ci. En mature. Passer de la drogue en mature, ouais. Bon, comment je fais pour en savoir plus? Je vais t'envoyer l'adresse de l'endroit où traînent les Anti-Shoe Boys. Quelqu'un pourra te renseigner là-bas. Je viens d'entendre parler d'une sorte de rendez-vous d'affaires entre les Choux et les Bradva. Pourquoi tu veux mettre en colère deux organisations criminelles en même temps? Parce que les justiciers, c'est la classe. L'opinion publique est assez. Salut tout le monde qui arrive. Oui, à Ubisoft. Pour le public de Dead Sec, plus on embête les méchants et les criminels. Oh, je n'irai pas voir. C'est mathématique. Je laisserai l'occasion de le faire. Je vais voir ce que je peux trouver. Que sur PS4? Non, j'ai un PC aussi.
Je vais avoir, bah, essayer d'avoir les voir en boutique. Oui, il sort le. Non, il sort mardi. Le 29, c'est pour PC. Bah, c'est pas grave, Seigneur. Hein. Peut-être, ouais, peut-être, hein, je me souviens plus exactement. Je fais entre 30 et 40 games par jour. Je crois, ouais, on s'était affronté vite fait. Mais après, t'as gagné, bah GG. L'essentiel, c'est qu'on s'est bien amusé. Ah ouais, 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 coupe le téléphone, coupe. Merci. Je crois que là en fait c'est pour débloquer. C'est toi qui date, Jordan. Est-ce que c'est les possible gars, de jouer avec toi car demain. Non, pourquoi? Aucune idée. Mais on dirait qu'il vient systématiquement les employés qui s'intéressent à nous, même de loin. C'est forcément illégal. Je vais aller faire un tour dans une de leurs pharmacies, voir si je peux accéder à leur système, essayer de trouver ce qu'ils veulent cacher. Eh, pendant que tu y es, j'ai quelques ordonnances à renouveler. C'est au nom de Josh, hein, bien sûr. Tu me piques des médocs. Non, bien sûr que non. Bon, oublie ce que j'ai dit. Attendez 3 secondes. Le VR, t'as pris le VR? Bah allez, celle-là normalement j'ai le droit. Je vais regarder mon listing. C'est parti. Salut les auditeurs. T'es famous ou MJ? Si ça serait le cas tout le temps, qu'on aurait 200 spectres, ça serait pas mal. Ah oh, c'est pas mal, tu me diras comment c'est, Siska. Moi j'ai déjà joué, donc après... Alors, la passerelle. Ok. Pas. On peut pas, ils ont pas activé les serveurs sur ça. Ah. Ça va alors, si t'as trouvé. Et qu'est-ce que tu veux toi? Ah, suis ce cul, va. Merde, c'est Django. No spoil ici, non, Tony. Pas de spoil. Je ne fais pas de mission principale. Je fais ce que vous voulez que je fasse, que je vous présente. D'ailleurs, qu'est-ce que vous voulez? Tu es en France? Oui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous montre après cette petite mission de prendre un client et faire une course pour faire du fric? Vous voulez que je vous montre quoi? Des zones de intéressantes de map, changer d'habit, prendre une photo à un endroit spécial? Ouais, t'inquiète, Siska. Il y a de la coop, donc ouais. Je crois que je l'ai déjà, Ubisoft m'a donné. Fais voir la map entière. Drone? Ah mais le drone il faut que je l'achète. C'est ça le problème, j'aimerais bien le faire.
Donc t'as cette partie de la map avec San Francisco, la Silicon Valley, au-dessus t'as Marin et à droite Oakland. Au pire, on ira visiter Oakland qu'on n'a pas vu. Hein. Hey, c'est toi la star d'internet là. Tu en penses quoi? Moi j'adore Monsieur Junko. Ouais, c'est ça. J'ai besoin de mon pilote préféré pour mon nouvel épisode. Qu'est-ce que je dois faire ce coup-ci? Oh, quelques petits. Ça bug à des mois. J'ai mis la qualité la plus haute, je crois. C'est peut-être pour ça. Alors ça tourne. En fonction des personnes qui ont une connexion élevée ou pas. Fait la marche. Maintenant, dans la zone 51. Risquer le tout pour le tout avec moi. Live la terre des Alcatraz. On y retournera pour la troisième fois Alcatraz. Vous êtes nombreux à vouloir aller à Alcatraz. Il y a quoi de spécial? C'est une prison, hein, une ancienne prison. FPS ou PS4? Je crois pas, non, je crois 60. Pas mal. Merci. Elle a fait combien de vues celle d'avant? Quoi, t'as pas regardé? Mais on a explosé le million de vues. Hey, beau gosse. Oh putain. J'ai perdu une portière. Super saut. Eh ben, on dirait que t'as trouvé la recette du streaming qui cartonne. Bah, c'est pas pour me vanter, mais... Ah, plus 6K, merci d'être passé en tout cas, mec. Mais c'est aussi un peu plaisir. Grâce à toi. Tu sais, le secret pour qu'une chaîne marche bien, c'est d'arriver à établir une vraie relation avec les abonnés. Faut que tu sois toi-même. Concessionnaire, que somme une voiture. Je crois qu'il faut l'acheter le véhicule et après le custom. Et ça va me coûter une blinde et je préfère acheter en fait, pour... J'ai toujours eu la trouille de conduire, de voler, si ça même dérange de pas. Faire du vélo. Mais on ira voir déjà Alcatraz. Pour faire face à mes peurs. On dirait que ça a marché. Après on verra ce qu'on fera. J'ai loupé le tremplin. Génial. Liv, c'était mortel. Un commando là. Quand tu veux, ma belle. Ouais, Kidder. Tu peux jouer à plusieurs. Oui. Ah ouais, Newbin? Ah bah on va faire ça. Ah, je vais te pousser, je vais... Pas de soucis, cet après-midi. Pour la coop, ce sera cet après-midi que je la ferai. Tu as la tenue de prisonnier? Non. Pourquoi fouiller l'emprisonnier? Oh, ça fera mieux, nous. Ah, excusez-moi si je si je mets du temps des fois à lire les commentaires. C'est que si vous voulez que je conduise à peu près correctement, c'est comme ça. Mais bon, je vais vite, t'inquiète. Vers quelle heure? Alors, je vais couper le stream vers midi pour faire mes affaires. Et je vais relancer ça à 13h pour le multijoueur. On va commencer par le multijoueur. Et la coop sera plus précisément à 16h. Dès que le deuxième star player qui sera avec moi sera connecté. D'ailleurs, faudrait que je lui demande son PSN. Ça serait pas mal. Tu fais des cadeaux à gagner. Ça doit pouvoir se négocier. Ça doit pouvoir se négocier, ça. Commando, si tu vas tout en haut du Golden Gate, t'as une vue de fou sur la ville. Il me semble qu'on est allé tout à l'heure, mais si tu veux, on y retournera. Y a pas de soucis. Hein. Alors, attends. C'est pas ça que je veux, c'est celui-là. Hop. Ah, y a un dog. A tout à l'heure. Merci Taser pour le follow.
Merci Chris pour le follow. Après, tous ceux qui ils arrivent là, n'hésitez pas à me suivre. Il y aura d'autres jeux comme ça où je pourrais peut-être les faire en avance. Des jeux chez Ubisoft. Il y aura normalement dans les 20 000 followers des jeux à gagner via PlayStation France. Et j'essaierai de voir ce que je peux faire d'autres choses. Alors, on va essayer ça. Merci Girls pour le follow. Et Chris. Et lui, ah, ok. C'est lui qui va me casser les couilles. C'est ce dog. Allez, on dégage de là. Bateau. Merci à tous ceux qui arrivent sur le live. Par contre, j'ai plus de clés SIP. Tu vas faire des piratages, mon petit. Mais il faut les débloquer, ça. D'ailleurs, alors attendez. Bon, regardez. Média absence, on s'en fout. Recherche. Ça va nickel et toi. Allez Paris. Lol. J'ai plus de points. Il y a combien d'euros sur PS4? Le prix d'un jeu normalement. Après tu peux le toucher entre nous ou moins cher. Partout. Hein. Apple ou Samsung? Bof. Bon, je crois que je vais aller acheter ça, femme. Je sais pas si tu peux l'avoir cet après-midi. A voir. Salut Julia. Oh, il y a des otaries. Ouais, on va voir les otaries après. If you want. Ouais, tu peux l'avoir à 50 après en l'achetant sur Auchan, Leclerc, ce genre de choses. Toujours l'art de garer mon bateau nickel. Hop. Ouais, suffit de chercher. Salut, tu avais joué à Watch Dogs, ton avis par rapport aux deux. Alors le Watch Dogs 1 et le Watch Dogs 2 sont deux jeux pas totalement différents. Il y a le même esprit, le hack. Mais il y a beaucoup de modifications, les véhicules sont modifiés, on n'est pas dans la même ville, on n'est pas le même héros. Il y a des choses à faire. Alors, il y a une zone déserte dans le jeu. Ouais, il me semble qu'il y a une zone désertique quelque part dans le jeu qui nous avait montré. Mais il faut la chercher. Au pire, on fera le tour de la map. On ira au Golden Gate. On ira voir ça avec le drone. Là, on va voir la prison d'Alcatraz. Nice shoes, yes. T'as la map complète? Oui. J'ai le jeu complet. Tu stream où? Depuis chez moi. Depuis mes locaux à moi. Comment t'as fait pour voir le jeu avant la sortie? Ubisoft. Je suis Star Player Ubisoft. Alors apparemment il y a une cellule où il y a un truc à faire. T'as déjà eu une hernie sous les poumons? Comment les gens peuvent continuer à croire les conneries de New Dawn? C'est qu'une machine afrique déguisée en église New Age. Peut-être c'est là. C'est les cas sociaux et les vieux qui se font avoir. Mais là, ouais, t'as même des stars là. Qui sont censés être cultivés et intelligentes. Je vais prendre les escaliers pour faire un peu de cardio, mais... Ouais. 3000 balles. Ouais. 3000 le casque. Ouais.
pas vraiment un accès anticipé, c'est Ubisoft qui me donne le jeu et m'autorise à le stream. C'est ça. Bouh, c'est Malinou. Ça va, Malinou? Quoi de neuf? T'es sûr que c'est là, Nubil? Tu habites où? Marseille. Deuxième étage? Ok, à vos ordres, Ralph. On va au deuxième étage, on va chercher la pièce. Attends, il y a un boîtier là. Ok, ça fait que ça. C'est où il y a ton joueur? Ouais, en bas là. J'ai cassé. M'occupe pas de ça, moi. Sûr que c'est là, les gars? Tu peux encore monter dans les conduits? Faut te faire foutre, mon cul. On va remonter dans les conduits, on va voir ça. Je l'ai cassé. J'ai pas vu, excusez-moi. J'ai pas vu qu'on pouvait monter. Ah oui. What the fuck? Non. Non, tu peux pas monter là. C'est fou le type là-bas. C'est lui, Arsenic. Hop. What the fuck? On a rien vu. On va y aller à pied. Merde, c'est fermé. Qui est fermé? T'inquiète, on va y aller. On va réparer le drone. Tac. Regarde, elle est où la porte? Là. Ouais, t'as raison. Bizarre, salut Fifou. Merci à tous ceux qui suivent. On est en sécurité ici? Ouais. Ah mon dieu, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a rien eu? Il y a rien eu? Moi j'ai rien vu. Ouais, ils ont mis des panneaux solaires.
Quoi? Non. 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 Il n'y a pas le truc, New Bill, comment on fait? Merci, dames, pour le follow. Merci à tous ceux qui suivent. Merci à vous, les gars et les girls. Là, j'ai activé cette merde, mais... Ah, là-bas. Hop. Ça va où, ça? Au trou du cul du monde. Ah, mais j'y suis. Il y a un truc là-bas? Alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est des points de recherche, ok. Là, c'est des missions. Ça, c'est quoi déjà? Ah, c'est ça. Ok. Je demande, t'as dit poser des questions? Bah, demande. Ok. Non, j'ai une copine. Comment t'as eu le jeu aussitôt? Ubisoft. Oh, c'est bien, moi j'en peux. Ah oui, les Otari. Hashtag. Faut s'en souvenir. Il est où? Alors attends. Les Otari, on va faire plus simple. On va faire ça. On va faire ça. Non, ça. Il y a un truc. Tac, tac. Otari. Marqueur. Nickel. Ben on braudera après. Les habits de DeadSec. Après. Partir nous faire visiter. Nous faire visiter la map. Ok. On va voir les Otari. On va changer les costumes. On va voir la voiture Google. Ah ben, il y a des choses à faire. Besoin d'argent, les gars. Excusez-moi. Hein. Bateau, voilà. Bonjour. Oula. C'est à moi. T'arrives là-bas. De quoi, pourquoi? Pas de l'achat, Tézir. La chance. Magnifique. Shadow, avant de parler, je suis star player Ubisoft. J'ai entièrement le droit de stream le jeu. J'ai les accords. Si tu veux, je te les sors. C'est même eux-mêmes qui m'ont envoyé le jeu, donc c'est les développeurs et les community managers qui m'ont envoyé le jeu à l'avance. Merci YouTube pour le fou. Bah, il y avait trois Otari. Moi aussi je veux danser. Attends moi Voilà. Ouais, il y a les locaux du Bicef, on est allé voir tout à l'heure, Julien. C'est mieux que toi. Hey, t'as la classe, toi. Si tu veux jouer au con,
moi le champion, ok? Mais ouais, continue, c'est ça. Hey, tu comptes pas? Il me semble que Théo, il y a des trucs de ce genre de temps en temps sur la map. Oups! Allez, salut! Donc maintenant, on va voir les habits. Et tu m'as dit, il y a le truc Google ou New Build après. Shadow, tu veux que je te sorte le contrat? J'ai un contrat Ubisoft. J'ai un contrat Ubisoft, j'ai les droits, j'ai reçu le message. C'est même eux qui m'ont envoyé le jeu, donc si t'es pas content, tu peux report, mais Ubisoft ne fera rien. C'est le petit voyou, non. C'est une message jot, ouais. L'art d'être jaloux, alors que j'ai les autorisations. Tout en bas à droite de la map. On va voir ça avant. Avant, après. C'est un mode ouvert, oui. C'est un open world. Vachement mieux pour me tenir. Ah, il est mieux là. Fabien, tu stream en lala. What the fuck? C'est déjà mieux comme vous, ça. Tiens, bouffe ça. Maintenant, tu peux la fermer. Moi j'ai l'autorisation Shadow. Lis. Bah bannissez-le. On m'a cassé les couilles. J'ai entièrement les autorisations. Depuis hier soir. J'ai des contrats moi avec Ubisoft. What the fuck? Ah oui, tu peux jouer en ligne, mais pas comme GTA. Les habits d'être sec. Je sais pas s'il y est... Ça rage pas sur le chat, c'est juste le type. Bonjour, rien que. Oh putain. Non, Wazer, pas de mission.
Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il fallait que je monte tout en bas à droite? C'est où, Newbill? Ouais, c'est le skin du début. Mais pour avoir des contrats Ubi, tu stream beaucoup avec pas mal de personnes qui te regardent? Non, je suis star player Ubisoft, j'ai un contrat avec eux. Et là, ils m'ont envoyé le jeu, ils m'ont envoyé le. Ils m'ont envoyé le jeu hier, ainsi que les autorisations et ceux que j'ai le droit de vous streamer. À la différence des personnes qui reçoivent le jeu et qui ne stream tout le jeu. Oui, Wazer, que du mode libre ce matin, cet après-midi de la coop et quelques missions. Les quatre trucs là? Quatre trucs là, les quatre trucs là. les quatre trucs là. T'as pas un nom? Bonjour. Tu étais sur le stream d'hier? Oui, j'étais sur le stream de Ubisoft hier. Hier soir sur Watch Dogs. Les quatre carrés? 4 carrés. Non, Julien. Il y en a qui sont même pas. Noodle? Noodle. Ok, c'est là. Hop. Le bureau de Google? Eh ben, on va y aller après, Théo. Pourquoi pas? On va aller au bureau de Google et on va aller au bureau de Ubisoft. Tu sais où c'est exactement? Ok. Truc rouge dessus. Ouais, c'est ça. Salut Monsieur JD. Pas de soucis, c'est cool. Ils sont sur le jeu? De Suffisant. quoi ils sont sur le jeu? Merci, je t'aime. Pas de soucis. Au milieu. Ici alors. Au milieu. Ah, cette voiture-là? La noodle. Putain, ils ont mis un truc sur cette voiture. Crois que j'ai un mec de Google qui vient me chercher le véhicule. Véhicule là? Bah je te laisse regarder Eldrin et te fixer toi-même. Je vais pas te dire il est magnifique, etc. Alors que c'est ma vision. Je préfère que tu te fixes toi-même. Pour l'instant, on ne fera pas de mission principale. La voiture de commando. Non, je suis star player Ubisoft. C'est un grade qui m'a été donné cette année. Ils m'ont invité à l'E3 de cette année. Et je suis sous contrat pendant un an. Et ils m'ont mis star player sur Watch Dogs 2. Donc j'ai participé à un événement il n'y a pas très longtemps. Et ils m'ont envoyé le jeu hier en clé. En me disant qu'il faut stream ci, stream ça et pas ça. Salut à ceux qui arrivent en train. Tu pourrais faire du karting. Bah si tu veux, pas de soucis. On ira voir le karting. Mais je sais pas où c'est. Donc s'il y en a qui savent. Là on va au studio de Ubisoft. Parce que là on a fait Google. Du moins qui s'appelle Noodle. Avec leur joli véhicule. De quoi ton micro? Ton micro. Ton micro. Ton micro.
Ok. Oui, Taser, j'ai le droit de diffuser 2 missions coop, quelques missions principales, mais je préfère me réserver ça pour cet après-midi. Et je serai en compagnie d'une autre personne. On fera aussi du multi. J'ai le droit de vous montrer tout le multijoueur. Donc cet après-midi, on va se concentrer bien sur le multijoueur, bien sur les deux missions coop, sur l'aspect du coop avec une autre personne. Ça va être intéressant. Mais il y aura une coupure, de toute façon, de midi à 1h, il y aura une coupure. Je reprendrai 1h sur le jeu. Moi, j'ai gagné le t-shirt, ils ont dit début de semaine. Ah, t'as gagné ce t-shirt-là ? Alors cet après-midi, je serai en compagnie de Red Fox, un autre star player que j'ai rencontré cette année aussi. Donc ils nous ont envoyé les clés hier que sur PS4, donc il s'est dégoté une Play 4 et on va se faire un multistream. Je peux pas mettre de clignotant ? Non, on peut pas. Par contre, on peut tirer en véhicule. Pour la petite anecdote des personnes qui me posaient la question tout à l'heure, tu peux. Donner le jeu, ça va être dur, Théo. Un petit multi ? Bah allez. PS4 normal. Je suis sur PS4 normal, j'ai pas la pro. Allez, si vous êtes sage, vous allez avoir un tout petit peu de multi. Mais d'abord Ubisoft, et après, qu'est-ce que vous m'avez dit de faire après ? Je sais plus, il y a quelqu'un qui m'avait dit de faire un truc. Voilà, on y est. Avec l'affiche de Assassin's Creed. C'est San Francisco. Fais des hacks avec des véhicules. Je n'ai pas la compétence encore. Le karting, c'est vrai. Alors, le karting, où c'est le karting ? Peut-être que c'est dans des missions comme ça là, course de motocross. Quand tu cartonnes, si tu veux, je te fais un crash test. C'est quoi ton compte PS4? Commando 13010, mais il est bloqué. Désolé si elle est déjà disposée, mais combien te fait giga Watch Dogs 2? Je crois qu'il fait une trentaine ou une quarantaine, un truc comme ça. Je n'ai pas la possibilité de faire gagner Watch Dogs 2, désolé. Ok, là j'ai déjà tout fait. Quelqu'un sait où c'est ? Je pense, Julien, déjà, il va y avoir une rediffusion de ce live. Il va y avoir la rediffusion du live de cet après-midi. À tous les coups. Et ouais, peut-être des let's play, des missions, tout ça. Ma giga, c'est la 1 Tera. Salut tout le monde qui arrive, là. Non, c'est en libre. Ok. Donc, ça va être ça. À mon avis. Je vois que ça, de toute façon. Donc, on va se faire un dropping ici. Non, merde. Putain. Parce que moi, je suis feignant. Donc on va se drop, normalement on peut pas, il y a un magasin ici, voilà, ouais je pense que c'est là, ça va Scaraton et toi, il sort mardi normalement le jeu, ma chaîne c'est Commando 13010 partout, c'est lui Redolf. Pas de ton avis Naomi, il y a les hacks, c'est totalement différent. Oui, quelle est la durée de vie du Watch Dogs ? Alors là, bonne question. Vu que je n'ai pas testé entièrement le jeu, je ne peux pas te dire. Hâte de l'avoir.
Alors, la question récurrente, comment j'ai eu accès au jeu avant? Donc, je suis Star Player Ubisoft. Je suis obligé de répéter 40 fois. Star Player Ubisoft. Donc, j'ai déjà eu accès à des événements. Notamment, il y a eu quelques vidéos de ma part sur YouTube auxquelles j'avais eu le droit d'enregistrer de l'événement de Watch Dogs 2. Je suis Star Player, suis plus précisément sur ce jeu. Donc, il m'a envoyé un code PSN hier après-midi avec la charte de ce que j'avais le droit de vous stream en avance. Donc, j'ai reçu ça. Alors là, c'est quoi? Bon, ça a l'air du karting. Il doit bien y avoir un véhicule de karting. Voilà! Qu'est-ce que demande le peuple? Moi, je prends laquelle? La bleue? La bleue? La bleue? Ou... Bah... Je crois qu'on va prendre la bleue, hein. Bâtiment ouvert? Non, il y a pas mal de fermés. Hein. Commander les véhicules? Oui, il y a la possibilité. Il est au moins 18 ans? Ouais. L'arbre de compétences? Recherche. Je te montre pas les trucs en détail, je te montre juste ça. N'importe qui peut la faire. Faut juste avoir le papier en tout. Du moins maligne. De toute façon c'est simple, c'est montrer la map, on a le droit. Faire les courses, on a le droit. Faire le multijoueur, on a le droit. La coop, il y a deux missions qu'on a le droit. Des missions principales, il y a deux, trois missions qu'on a le droit. Et il y a d'autres trucs par contre qu'on n'a pas le droit. Moi je coupe toujours. Hein. On a vu première personne, mais il y en a une. Ah oui. Je me souviens des boutons. Elle est dégueulasse. Maintenant, chose sérieuse. Oh, c'est moche, ça. Parlons de hacking multijoueur. Wesh. Merci GG. Ok, qu'est-ce qui se passe? Mais par rapport au premier, il y a pas mal de modifications. Hein. Déjà la conduite. Après, je sais pas si on peut trouver du monde en multi là. Vu que le jeu n'est pas encore sorti. Les serveurs sont OP, mais il se peut que ça va être long. Et moi j'adore ce Watch Dogs 2, il y a pas mal de choses à faire, la map est assez variée, il y a de la coop, quand même intéressant au niveau d'un jeu maintenant, open world. Drag une fille s'il te plaît. Je tente le coup là.
On va se rapprocher de la zone et on va tenter le coup. Il a pas l'air beau. Change la qualité du live. Il doit pas être en source. Et bonjour à toi. Il y avait du FPS dans le je crois pas. Je me souviens plus. Ça fait un moment que j'ai pas joué. Kondo, je suis en source. Quelques joueurs multi, le Bédard et un certain vidéo le suivi hier. Ouais. Mais après, le Bédard, je sais pas sur quelle console il était. Il était pas sur PS4. Peut-être sur PC, peut-être. Non, pas PC. Xbox One, je sais pas. Après, des fois, c'est pour des gros youtubeurs. Ils prennent des personnes d'Ubisoft exprès pour mettre des personnes en multi. Parce que là, vu que le jeu n'est pas sorti, ça charge, mais... Pop, pop, pop. Quelle est la nature de votre urgence, s'il vous plaît? Non, allô, c'est pas le moment. Vous êtes toujours là? Allô? Non, ça trouve pas. Changer de mode. Attends, c'est des multi ça. Ouais. Ah non, ça c'est de la coupe. Bon, on va essayer de la coop. Au niveau des graphismes, moi j'adore, après depuis ma télé, depuis directement de mes yeux, c'est mieux que sur le stream. Après moi sur le stream j'essaie de mettre le maximum. Le maximum en qualité. La conduite totalement délicieuse. Hein. Ça n'a rien à voir avec le premier. Hein. Ok. Voler les disques durs, neutraliser les deux VIP. Ok, ok, ok. Le jeu c'est What Dogs 2. A plus Soussou. Je vais juste vous faire une émission là en coop, mais apparemment je suis tout seul donc c'est une émission multi. Y'a un connard sur notre territoire. Ouais.
D'accord, d'accord. Oh, des putains! Il faut qu'on élimine ces connards! Ouais! Oh! Ok! La vie d'un rue est plus naturelle que le premier. Alors, la conduite est mieux? Oui, beaucoup améliorée. Bah, elle est toujours un peu bizarre, mais elle est mieux. Pour faire du parcours après. Là, juste après, je vais plutôt couper. Mais ça me gonfle, on est tout seul dans la mission coop, c'est pas intéressant. On refera la mission plus tard, quand il y aura Mister. Mister Red Fox, merci Nasser pour le host. Donc moi, je vous invite à suivre la chaîne. On va faire une petite pause pour aller manger. Tout le monde. Ici, vous avez le droit. On va se donner rendez-vous à 13h. 13h, je vais essayer de vous lancer du multijoueur. Attends, quoique là, j'ai l'impression qu'on est en multijoueur, non? Diffusion de votre casier judiciaire. Ah non, il n'y a personne. Donc, à 13h, on essaiera de vous faire du multijoueur. Dans tous les cas, à 16h, quand Red Fox sera là, on va faire de la coop. Les missions coop qu'on peut vous faire. L'exploration à deux en coop. On va vous présenter. Il en connaît vaguement aussi du sujet par rapport à moi. On regardera correctement l'émission principale qu'on a le droit de vous montrer. On fera les choses que vous avez envie de faire. Donc je vous souhaite bon appétit. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. Merci à ceux qui vont me suivre maintenant. Merci à ceux qui veulent me suivre sur Twitter, Facebook, Snapchat. Je balancerai une information quand je vais relancer le live. Donc on se retrouve dans pas longtemps. Merci à vous. Bon appétit. À toutes.